Bonsoir tout le monde! C'est jeudi! Hein? Quelle sorte d'intro que c'est, hein? J'ai voulu vraiment montrer le début de Terminator 2. Justement, quand j'étais jeune, on a vu ce film-là avec des robots. Ce soir, je pense que vous saviez exactement c'est quoi le sujet. Il y a des gens qui m'ont dit « Jeff, mais intelligence artificielle, c'est tout à fait paranormal, c'est plus la science. » Puis je dis « Ouais, t'as raison, c'est la science. » Mais en même temps, c'est très étrange. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on est capable de voir que l'intelligence artificielle vient plus et plus intelligent. Moi, j'ai des sentiments vers ça. Je pense que les gens sont fascinés de ce sujet-là, de cette nouvelle création. Et là, on voit un petit peu plus l'ironie de la création. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on veut vraiment explorer avec notre invité, Robert Lahaye, qui va vraiment faire une présentation de ça. Puis en plus, j'ai d'autres invités comme Steve, comme vous saviez, de CGMD, Zone Parallèle, puis Carole aussi. Parce qu'eux aussi, ils ont un aspect que j'aimerais en parler de ça. Mais on parle de la création. Parce que si on va retourner, soit on va dire dans la Bible, c'est marqué c'est indiqué, si on peut utiliser, que Dieu a créé Adam et Ève. Puis même dans sa création, il a vu justement qu'ils ont été capables d'aller contre les vœux de Dieu. Et on voit qu'une rebelle, même avec les anges, un rebelle. Donc, moi, je me dis, dans notre création, si nous, on crée la vie, surtout artificielle, il y a une grosse chance que ça peut nous rebeller contre nous. Ça, c'est pourquoi, pour moi, l'intelligence artificielle fait peur beaucoup. Parce que si on voit les jeunes d'aujourd'hui, hein, ben pas aujourd'hui, mais des jeunes en normal, ils viennent à une certaine maturité, puis ils veulent dissocier, ils veulent faire leur propre vie. Donc là, c'est là le paradigme. C'est là qu'on va explorer c'est quoi les implications, c'est quoi l'avenir. Parce que je vous avais montré un petit extra dans l'entrée de Terminator, on a vu que notre création a tourné vers nous. On a vu beaucoup de films avec ce genre-là. Ça fait réfléchir. Et pourquoi? Pourquoi qu'on devrait créer des affaires comme ça? Pas juste ça non plus. On va explorer aussi dans les programmes Internet. On va même parler justement de l'identification numérique. Ben, ça fait partie de l'intelligence artificielle. Même sur l'Internet, sur le Facebook, sur YouTube, tous les algorithmes, misère à ce mot-là, désolé. Et merci beaucoup en passant pour tout le monde qui sont là, qui est en train de watcher avec mon accent puis mon prononciation des mots. Je suis désolé. Mon français n'est pas parfait, mais vous saviez que mon cœur est là. Donc, merci pour être patient. Donc là, on voit justement dans la création et des algorithmes. Ça aussi, c'est une forme d'intelligence artificielle. Donc, c'est fascinant qu'on ait tout embourré l'intelligence artificielle. Là, je vois dans les commentaires que vous êtes vraiment là, vous êtes vraiment impliqués, vous saviez exactement certaines choses. Je sais que les gens, c'est quelque chose de fascinant. Mais avant qu'on commence, j'aimerais juste faire un petit extra. Si vous n'avez pas vu ce film-là, Megan,
Oh my God, c'est tellement bon. Et ça, c'est la raison comme telle pourquoi que j'ai beaucoup d'inquiétudes. Check ça. Baby doll's kill. Don't provoke us or we will go. New primary user now. Me. Non. Donc, c'est ça, justement. Dans le film, c'est... non, je ne veux pas dire d'autre, mais on va dire une chose pour un petit robot assez puissant. Donc, écoute, bonsoir tout le monde! Tout le monde qui est venu ce soir. Écoute, vous êtes tellement nombreux. Bonsoir à tous les réguliers. Bonsoir à tous les nouveaux et nouvelles. Et bonsoir les gens qui disent « C'est qui ce gars-là? » Hey, t'es venu à bonne place. Donc, mesdames et messieurs, avec une bonne, puis je dis un bonne parce que Robert Lahaye vient souvent de mes lives. Donc, on veut vraiment donner une bonne réception parce que M. Lahaye a commencé à venir sur mes lives, puis il ne parlait pas. Mais là, une minute, quand il parlait, il dit « C'est Monac, ce gars-là, il a quelque chose à dire. » Mais c'est fun parce que c'est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très réceptif. C'est quelqu'un de très réveillé. Donc, mesdames et messieurs, Monsieur Lahaye, comment ça va, Robert? Bonsoir. Là, on a un problème, Jeff. Parce qu'avec ton introduction, là, tu m'as convaincu. Donc, il n'y a plus de live. Ah bon, ben OK. Désolé tout le monde, le live est fini. Donc, on est tous morts, la vie. Oh my God, mais en 1997, c'est ça? Non, quand est-ce le Terminator a sorti 2? Hey, y a-t-il quelqu'un dans la description qui peut me dire l'année de Terminator 2 qui a sorti? Mais je trouve pour l'époque, c'était fascinant pour voir que oui, ça peut être une possibilité dans le futur si l'intelligence artificielle vient trop supérieure, il veut vraiment aller... avoir leur indépendance et leur liberté, parce que là, c'est là qu'on rentre dans plein d'affaires. 1992. Merci, Mathieu Toupin. Monsieur Toupin, notre mascotte. Donc, écoute, Robert, toi, tu travailles dans ce domaine, dans toute cette chose. Donc, explique-moi qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Exactement. J'ai commencé comme machiniste dans les années 70. Ouais. C'était technique, là. Je travaillais dans des compagnies avec la mécanique avancée, là, construction de machines automatisées, des choses comme ça. Puis par la suite, en 85-86, j'ai décidé de me spécialiser en robotique. Ça fait depuis ce temps-là, c'est moi qui crée les méchants robots. La seule différence, je pense, entre moi et toi, c'est que toi, tu as une crainte vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Tandis que moi, vu que j'ai connu les débuts, j'ai vu ça grossir, je sais où ce qu'on en est rendu aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de crainte que toi là-dessus. Parce qu'on est loin, loin d'arriver à Terminator ou autre intelligence artificielle. Dans notre live, c'est ça que je vais essayer d'expliquer. Là, parce que l'intelligence artificielle, le monde s'en serve pour désigner à peu près n'importe quoi. Maintenant, c'est rendu, c'est plus un mot qui a une définition. La définition est rendue tellement large que tout peut être de l'intelligence artificielle. Ça fait, c'est là où ce qui est le problème. Je suis d'accord avec toi que quand on regarde Terminator ou d'autres films catastrophes comme ça, que ça peut être épeurant. Sauf qu'on est loin d'être là. C'est ça qui est la différence, là. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui en intelligence artificielle? En réalité, c'est de la programmation. Mais c'est là que je veux juste parler. Regarde, tu dis quelque chose, on n'est pas là. Là, mais dans quel sens? Physiquement, comme une réplica humaine, indépendance... Ce qui fait peur au niveau de l'intelligence artificielle, c'est que les robots commencent à prendre des décisions, puis par eux-mêmes. Comme tu disais, au niveau de la création, Adam et Ève ont décidé de faire leur propre chemin.
OK? Mm-hmm. C'est ça qui a donné l'être humain d'aujourd'hui. Mm-hmm. OK? Si le robot fait la même chose, prend des décisions par lui-même et décide d'avoir sa propre vie, on est dans l'arbre. OK? Mais c'est ça qui est loin d'arriver. Mais pourquoi qu'on pousse pour ça? Pourquoi il y a tellement de monde? Ah non, parce qu'on voit en Japon, là. En Japon, ils ont... OK, c'est pas supérieur. C'est pas comme on a vu dans la fameuse guerre. On va là juste le refaire. Baby dolls kill. Don't provoke us or we will go. Primary user now. Me. Puis violent. Ben c'est parce que on a vu ce film-là récemment, et puis on a vu que côté réplica humain, bouger, réaction, c'est certain, on n'est pas là, mais à Japon, ils poussent encore un calvaire. Ben, ça, on est proche. Au niveau de la ressemblance physique, on est très proche. Parce qu'au niveau du visage, maintenant, ils ont des actionneurs qui fait que on dirait qu'ils ont des émotions. Mmh. Mais en réalité, ils n'ont pas d'émotions. La première qualité qu'il faut avoir pour être humain ou être intelligent, c'est de se rendre compte de sa propre existence. Okay? Oui. Oui. Le robot n'est pas encore là, très loin de là même. Okay? Tout ce qu'on nous présente sur Internet, à télévision, n'importe quoi, c'est soit des animations créées par ordinateur, mm-hmm. ou c'est des robots, mais avec des actionneurs qui vont reproduire un semblant d'être humain. Okay. Okay? Mais c'est déjà tout programmé à l'avance, ça. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence humaine du programmeur qui dit tu vas sourire à tel moment, tu vas pleurer à tel moment, tu vas faire ci à tel moment et tu vas faire ça à tel moment. Mmh. Ça, c'est loin de l'intelligence, ça. C'est tout simplement de la programmation, là. OK, ça fait le robot, là, même s'il pleure, il rit, il n'est pas dangereux parce qu'il n'est pas capable de penser par lui-même. Mais dans un sens, c'est quoi dangereux? C'est ça, le monde, parce que dangereux, ça peut être pas une menace physique, là, carrément. Là. Dangereux, ça peut être des petits robots. Contrôle d'informations, des algorithmes, identification numérique, plein d'affaires de même. OK. Facebook fait pas de l'intelligence artificielle. La seule chose qu'il fait, c'est de la programmation comme dans les années 80. OK? Tu as le « if then else », OK? Qui veut dire, en réalité, je programme et je mets ces trois commandes-là dedans. « If » tu vois une lumière rouge, « then » tu break. OK? « Else » si ça ne se produit pas, il n'y a pas de lumière rouge, tu continues tout droit. OK? C'est trois choix que tu programmes à ton robot, à ton programme, ton jeu, n'importe quoi. C'est toute la même base. T'es un peu, Robert, t'es un peu. OK. OK. OK, tu peux me parler de science dans l'espace, mais là, juste cette partie-là, j'ai carrément un... Okay. Donc, tu dis « go ». If then else. Okay. If something happens, si quelque chose arrive, tu réagis de telle façon, then. Else, ça veut dire ça ne se produit pas, la lumière est verte, donc tu continues tout droit. Ah. Okay? C'est des choix que tu programmes au robot. C'est pas le robot lui-même, c'est pas le programme lui-même qui décide « je continue ou j'arrête ». C'est le programmeur qui lui dit « si telle chose arrive, tu réagis de telle façon ou de telle façon si ça ne se produit pas ». Donc, ils ne prennent pas l'initiative. Exactement. C'est le programmeur qui décide. C'est la même chose que la bombe atomique, que le nucléaire en général. Tu peux faire de l'électricité avec le nucléaire. Mais tu peux tuer du monde. Mais c'est-tu dans l'intelligence artificielle ou de la folie naturelle? OK? Avec les deux. Exactement. Le même risque va se retrouver dans 50 ans, 75 ans, 100 ans avec les robots. OK? Mais ce n'est pas à court terme, c'est à
long terme, mm-hmm. qui a un risque là-dessus. Parce que où est-ce que la science est rendue présentement, on est rendu à une certaine limite. On a, quand les compagnies ont atteint le Pentium, qui est le top du top des ordinateurs, mm-hmm. La seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est à multiplier le nombre de Pentium à l'intérieur d'un chip. Le i2, le i4, le i6, le i7, maintenant je pense qu'on est rendu à i9, c'est que tu as 9 microprocesseurs à l'intérieur du même microprocesseur. Mais chaque microprocesseur reste des Pentium des années 80. En travaillant ensemble, en relation, ils font 9 fois plus d'ouvrages dans le même temps. Parce qu'ils travaillent ensemble. C'est la seule avancée technologique qu'on a eue depuis la création du Pentium. Mais moi, je pensais que, écoute, on a fait comme du nanotechnologie. On a plein d'affaires de même. Mais on On est rendu à notre maximum là-dessus. Il y a une certaine restriction qu'on ne peut pas diminuer la grosseur des traces à l'intérieur d'un microprocesseur en bas de tant de nanomètres. Sinon, c'est comme une fuse. Dès qu'il y a un renseignement qui va passer sur ta trace, ça va brûler. Il y a une chaleur qui se dégage quand l'électricité voyage. Ouais. Ça fait, si tu dépasses un certain ampérage, ça fait comme une fuse ou comme une lumière. Ton microprocesseur va allumer au lieu de faire ce qu'il est supposé de faire. Ouais. À ce niveau-là, on est rendu au niveau nanotechnologie à notre maximum. C'est pour ça que s'ils multiplient la quantité de microprocesseurs qui travaillent en même temps, en réalité, aujourd'hui, un i9, c'est l'équivalent de 9 Pentium branchés un à l'autre. Sauf que vu que c'est dans le même chip, tu sauves de la distance d'un fil, donc un gain de rapidité, des choses comme ça. Mais c'est artificiel, ce n'est pas réel, ce n'est pas des nouveaux microprocesseurs, ce n'est pas une avancée technologique, c'est la même vieille technologie, mais réarrangée au goût du jour pour obtenir des résultats meilleurs que ce qu'on avait. Parce que le but reste toujours au niveau des ordinateurs, c'est d'en vendre. Ça fait, si tu n'améliores pas, tu n'en vends plus. Mais là, c'est quoi la prochaine étape, là? Là, tu dis, excuse-moi, Robert, parce que juste la question, comme tu vas voir, là tu dis qu'on atteint notre maximum potentiel côté robotique, mais là, c'est quoi la prochaine étape? Si tu incorporer ça dans une entité vivant? Non, moi, je dirais, la prochaine étape, c'est de faire, on va faire un petit retour sur notre cerveau. Notre cerveau est beaucoup plus compliqué qu'un ordinateur, il y en a beaucoup qui disent que l'ordinateur est une reproduction du cerveau humain. Ce n'est pas le cas. Les ordinateurs fonctionnent avec des 1 et des 0. Ils ont deux informations seulement qu'ils peuvent travailler avec, c'est des 1 et des 0. Notre cerveau à nous autres, la différence, c'est que les états, tu en as beaucoup plus que deux. Tu as le 0, le 0.1, le 0.2, le 0.3, etc., jusqu'à 10, là, qui est le 1 en réalité. Ça fait que tu peux avoir 500 états entre ça. C'est ce qui nous permet d'imaginer des choses, d'aller dans le non-concret, puis de raisonner. C'est des choses que des 1 et des 0 ne pourraient jamais faire. Donc, toi, tu dis que le cerveau humain, on a des points 1, point, like 0.1, 0.2, 0.1. On est plus complexe. Exactement. Là, ce que les scientifiques travaillent dessus présentement, c'est justement les ordinateurs quantiques. Oui. Mm-hmm. C'est quoi ça? L'ordinateur quantique essaye de se rapprocher le plus possible au niveau du cerveau humain. Ça veut dire qu'au lieu de travailler avec des 0 et des 1, il va travailler avec des cellules que leur état est variable à l'infini. Présentement, ils font des tests dans la station spatiale parce que où ils sont rendus présentement, il faut absolument que ça soit sans gravité.
Parce que le seul fait d'avoir la gravité terrestre, l'atome de. Je ne me rappelle plus de métal que tu utilises, mais cet atome-là descend avec la gravité. Donc, tu ne peux pas lire son état. OK? Ah, OK. Deuxième problème qu'ils ont avec ça, c'est que quand ils lisent l'état, il faut qu'ils envoient soit un laser dessus ou un champ magnétique pour réussir à lire l'état de l'atome. OK? En faisant ça, ils changent l'état de l'atome. OK? Ça fait que c'est même pas possible présentement de le lire parce que tu changes son état. Donc, ta réponse est totalement fausse, là. OK? Mais... Ça fait... C'est là qu'on est rendu au niveau des ordinateurs quantiques. Ce qu'ils font aussi présentement pour vendre l'idée d'intelligence artificielle, tout ça, ils vont brancher, ils vont faire des salles comme qu'il y avait dans le temps d'Apollo, là, des salles pleines là, d'ordinateurs, OK, pour essayer de simuler cet effet-là de l'effet quantique en tant que tel. Mais ça reste une simulation. Okay? Ce n'est pas réel encore. C'est une simulation du fonctionnement du quantique. Ça fait pour faire un calcul 10 fois 10, okay? L'ordinateur quantique présentement qui existe là, avec tous les ordinateurs différents rassemblés ensemble, ça prendrait à peu près 3 semaines à réussir à calculer 10 fois 10. Okay? Parce qu'il y a tellement d'états. Il y a tellement à recommencer les tests pour voir, parce que en science, il faut que ça soit reproductible. OK? Au niveau informatique, c'est la même chose. Si tu fais un calcul, puis à chaque fois que tu fais ton calcul, tu as un résultat différent, ça va mal ton affaire. OK? Ça fait, s'il faut que tu recommences 1 million de fois le calcul pour avoir 90 % de réponse pareille, puis dire « Ah, c'est ça la vraie réponse », bien, ça prendrait 3 semaines pour faire un calcul très simple comme 10 fois 10. Là que tu... Premièrement, Robert, là, wow, ça vient d'où, ça, my God? Écoute, wow! c'est fascinant, qu'est-ce que tu dis? Je sais, entre vous, toutes les gens qui watchent à ce moment, c'est comme... OK, t'es un peu là. Laisse-moi prendre mes pilules Omega 3, là, puis je vais essayer de comprendre. Mais c'est rarement simple, comme tu dis, c'est simple. Il y a des gens qui disent dans les commentaires qu'on a vu deux ordinateurs en train de se parler ensemble. La fameuse incident de ça, que justement, que deux ordinateurs, ils parlaient. Il y a des humains qui checkaient qu'est-ce qu'ils parlaient. Puis à un moment donné, quand les ordinateurs ont constaté que peut-être les humains le gardaient, ils ont changé, ils ont encrypté leur langage. Puis là, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils disaient. Là. Donc, je voulais savoir si tu peux parler de ça. C'est parce qu'il y a des gens qui sont très intéressants. Je peux t'expliquer très simplement qu'est-ce qui s'est produit lors de cette expérience-là. OK. Comme je te disais, tout présentement est une question de programmation. Ça fait que tu donnes des limites, des barrières, des ordres à ton ordinateur quoi faire. Ce qui s'est produit dans ce cas-là, c'est qu'on dit, on fait ce test-là, c'est pour savoir jusqu'à quelle vitesse et quel point les informations peuvent être transférées d'un à l'autre. Okay? L'ordinateur, même s'il n'est pas intelligent, son but, lui, c'est d'avoir un 0 qui est un échec ou un 1 qui est une réussite. OK? Ça fait si tu programmes ton ordinateur à agir de façon à accumuler les 1, lui, il va essayer d'en accumuler le plus possible. OK? Par le codage normal, OK, il y avait une perte de temps énorme qui se faisait. Parce que quand tu envoies un renseignement d'un ordinateur à l'autre, disons, tu envoies 0,1 comme renseignement. L'autre va recevoir le 0,1. OK? Il te le renvoie à toi pour que tu confirmes que c'est bien 0,1 que tu lui as envoyé. Ça fait qu'il y a 3 transferts de données pour en réalité un seul transfert. Un seul transfert, OK? L'ordinateur, lui, il y a des zéros puis des zéros 2 fois sur 3. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'arrête tout simplement de renvoyer l'information
parce que je cumule des 1 à chaque fois que je l'envoie. Ça fait pourquoi perdre des points en me le renvoyant puis en le confirmant. Donc, l'ordinateur, lui, a changé. Les ordinateurs ont changé par eux-mêmes au plus efficace. Ils se sont mis à envoyer les renseignements une seule fois. Ça fait ceux qui regardaient l'expérience, ils ont dit « Ah, qu'est-ce qui se passe? » Oui, mais c'est ça, le monde, dit « Qu'est-ce qui se passe? » Parce qu'à premièrement, Quand en réalité, eux autres, tout ce qu'ils ont fait, c'est de simplifier où ce qu'ils n'avaient pas de besoin. Okay? Ils n'avaient pas besoin de... Ils sont plugués directement un sur l'autre. Donc, les erreurs de transfert de données, il n'y en a pas. Ils sont directement branchés. Mais là, dans un sens, Robert, là, pour faire ça, c'est parce qu'ils ont dit « Oh, en faisant ça, c'est plus efficace. » Donc, dans un sens, c'est une intelligence, non? Non, parce que eux autres, ils recherchent à avoir le plus de points possible. OK? Donc, si je fais telle action, j'envoie les données, j'ai un 1. Lui me renvoie les données, c'est un 0. Oups, c'est à éviter, ça. Mon programme me dit « Évite tout ce qui te donne des zéros. » OK? Mais c'est une programmation humaine, ça, de lui dire « Évite les zéros. » OK. Fait l'ordinateur fait tout simplement ce que l'être humain lui a demandé, soit le plus efficace possible. Garde les opérations que tu fais des 1 et rejette les opérations que tu fais des 0. OK? Donc, ce n'est pas un raisonnement en tant que tel. Il a tout simplement appliqué la commande qui lui était donnée de « sois le plus efficace possible ». Là, j'aimerais ça poser une question côté ordinateur. As-tu dit qu'on joue dans les années 80, qu'on n'a pas vraiment évolué comme tel? Donc ça, ça veut dire que le cellulaire n'a pas évolué comme tel non plus. Non, exactement. C'est juste une question de mettre des circuits plus spécialisés. Okay. Tu vas prendre un ordinateur. Le fonctionnement d'un ordinateur, tu as le cœur qui est le microprocesseur, le Pentium en tant que tel. Okay? Puis tu as des interfaces autour. Mm-hmm. Tu as fait une carte graphique pour avoir de l'image, tu as une carte de son pour avoir du son. Tu as des ports de données externes, internes pour communiquer avec ton disque dur, tes lecteurs de disquettes, tes autres accessoires, ta souris, ton clavier. Ça fait que tu as des interfaces autour. Okay? C'est énorme comme fonctionnement. Okay? Yeah. Un téléphone, c'est bête, c'est simple. OK, ça envoie un signal, puis ça reçoit un signal. Donc, c'est bullshit là, pour dire « Oh, c'est upgradé, c'est plus intelligent », mais en réalité, c'est pas plus intelligent. Non. C'est juste que au niveau graphique, combien de téléphones qui vendent parce que tu as 3 caméras dessus au lieu d'en avoir une, puis la résolution est plus évoluée, c'est pas le téléphone lui-même qui est plus intelligent, là. C'est les accessoires qui ont évolué puis qui sont de plus en plus développés. Okay? La caméra est plus précise, le son, ton speaker va sortir fort au lieu d'être obligé de te le coller sur l'oreille. C'est des choses comme ça, ils vendent, puis ils grossissent les écrans, c'est rendu, tu as quasiment une tablette dans les mains avec les derniers téléphones. Robert, à quel point là, qu'on va atteindre une certaine indépendance côté artificiel? À quel point que tu penses ici 10 ans, 5 ans? C'est quoi tu penses vraiment l'époque? Moi, je mets plus 50, 75, 100 ans. Mais voyons donc, ça veut dire... Parce qu'on est tellement au début. Pour faire une analogie, OK? On a des paquebots aujourd'hui là, que tu peux aller faire des croisières. OK? Où est-ce qu'on en est rendu au niveau de l'intelligence artificielle? C'est de s'accrocher après un log de bois sur l'eau, puis nager le plus vite possible pour se rendre à destination. OK? Wow. On est à ce point-là au début de l'intelligence artificielle. Wow, OK. Ça fait, donc, c'est très loin. c'est très loin, mais en même temps, c'est... Bon, mais je sais qu'à certains... Écoute, moi, je vais en être avec toi. Pas complot, mais je pense que côté militaire, je pense peut-être qu'on est plus avancé qu'est-ce qu'ils disent. Je sais côté civil que tu dis qu'on est peut-être 75... année de ça,
Mais moi, je pense fortement, là, quelque part, là, je ne sais pas, mais dans mon esprit, Robert, là, je le sens qu'on a bien plus des ordinateurs. Ouais. OK. Ce qui arrive au niveau militaire, c'est que tu n'as pas besoin d'intelligence. OK? L'intelligence, c'est les militaires, c'est les généraux, c'est les capitaines, etc., qui ont l'intelligence. Tout ce qu'ils font, c'est de programmer le robot. Le robot n'a pas besoin de penser par lui-même pour aller faire un massacre sur un champ de bataille. Là. OK? Si tu programmes ton robot de dire... Tu as des caméras pour voir. Ça fait, si tu vois telle sorte d'habit, tire. Si tu vois telle autre sorte d'habit, tire pas dessus, c'est nos amis, là. OK? Donc, ce n'est pas une question d'intelligence. If, then, else. C'est toujours la même programmation. Si tu vois un ennemi, tu tires. Si c'est pas un ennemi, tu tires pas. OK. Bien compris. Question pour toi. C'est un exemple. Oui. Aujourd'hui, il y a un Android à côté de toi. Oui. Et il est indépendant. L'intelligence est capable de se penser lui-même. Il réfère à lui. Oui. Question. C'est une vie ou non? Oui. Wow. Si, pour moi, que ça soit une intelligence artificielle, que ça soit une petite bébite, si elle a conscience d'exister, si elle est capable de raisonner, c'est une vie. Même si c'est artificiel. Intelligent. Oui, même si c'est artificiel, si elle réussit à comprendre qu'elle existe, c'est une vie au même niveau que nous autres. Donc, même droits et libertés. Exactement. J'aurais le même respect pour un robot qui est autonome comme ça, qui est conscient d'exister, que pour un autre être humain. Écoute, je vais faire un petit sondage avec les gens. Mm-hmm. Mesdames et messieurs, je vous donne, toutes les 153 personnes à ce moment sont là. J'aimerais avoir un sondage. Oui, tu es d'accord avec Robert que ça serait un vie considéré vivant et donner les droits et libertés ou non? Tu le vois pas comme une vie? Donc, j'aimerais voir à quel point qu'est-ce qu'il pense. Donc, oui, tu es avec Robert, que oui, c'est une vie vivant, artificielle, qui a des droits et libertés, ou non, comme moi, tu dis, hell no, c'est pas la vie, c'est juste un miroir de nous. Ça, c'est ma façon de penser. Donc, on veut voir. Donc, oui pour Robert, non pour moi. Donc, mesdames et messieurs, je veux voir le sondage. Vas-y. OK, on voit beaucoup de noms, là, Robert. Là. Oh, la barbe. La barbe. OK, non. Non, il n'y a pas d'armes, ombre à l'intérieur. Non, je ne vois pas. Je le vois comme Robert. Donc, on a un oui. Moi, je vois ça comme une menace simplement. Ouais, non. Conséquence inégale a sûrement existé. Donc, non. Il y a beaucoup de non. Il n'y a personne qui l'identifie comme. C'est ça, ouais. Parce que je pense que les gens, où leur marqueur est, leur indicateur, c'est que s'il y a un ombre à l'intérieur, un soul, un ombre, là, c'est la vie. Mais ça, non. Mais regarde, c'est tout des noms, tout le monde. Ouais. C'est pas parce que qu'est-ce que tu dis, c'est mauvais. Non, Robert, je te prends pas mal non plus, là. il y a un Jean ici, déjà des hôtels, il dit Terminator, quel danger. J'adore ça. Mais non, c'est tout non. Il y a une chose qu'on pourrait spécifier, là, c'est quoi avoir une âme? OK? Ça, déjà, en partant, c'est une question. Si avoir une âme, c'est d'avoir une conscience, de connaître qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal, une intelligence artificielle peut atteindre ce niveau-là éventuellement. OK? Si avoir une âme, c'est dire c'est parce qu'on a été créé par Dieu. Oui. Là, l'intelligence artificielle n'aura jamais d'âme. Mais, le chien a-t-il une âme? Le chat a-t-il une âme? La vache? Le cheval? C'est des créatures de Dieu.
OK? Oui. Pourtant, s'il y en a qui sont intelligents, d'autres beaucoup moins intelligents, mais ça reste les créatures de Dieu quand même. Donc, ont-ils un âme? Je sais qu'à un moment donné, Robert, cette question-là fondamentale va être demandée. Puis je sais que peut-être pas dans notre génération, peut-être pas dans mon génération et les générations de mes enfants, mais je sais qu'à un moment donné, dans le futur, et il sera fun si à un moment donné, cette live-là pourrait être mis dans une capsule. Puis ils vont dire que ouais, Jeff, il a raison, qu'à un moment donné, on va poser cette question fondamentale-là. On le donne-tu la liberté et dire que oui, t'as des droits fondamentaux comme quelqu'un vivant? Puis là, c'est ça la question, c'est quoi vivant? C'est quoi le défini entre vivant? Exactement. Ben c'est ça. Donc, je pense que c'est fascinant de penser à ça. Je sais, il y a beaucoup de monde en ce moment, ils sont derrière leur caméra, puis ils grattent la tête, ils disent, il y a raison, ce gars-là. C'est vrai que. J'aurais un exemple à donner. OK? Ouais. On a toujours su que les éléphants étaient très intelligents. OK? Les dauphins aussi. Ouais. OK? Mais ils ne sont pas supposés avoir d'armes parce que c'est des animaux. Sauf que quand un dauphin sauve la vie d'un être humain, OK, qui n'est pas de sa race, ouais, donc qui ressent de l'empathie. OK? L'empathie, oui. Y a-t-il un âme? Quand des éléphants se tiennent la trompe et la queue pour descendre dans un trou, aller chercher un zèbre qui est pris dans la boue pour le sauver, c'est pas de l'empathie. L'empathie et l'âme. Il y a des sentiments là-dedans. Je ne sais pas, là on va loin, là, mais ça, c'est certain. Non, mais tu as raison. Écoute, la réponse pour l'instant, pour moi et plusieurs personnes, c'est non. Il y a un couple de personnes qui sont avec toi, oui, mais d'après moi, je pense que cette question-là fondamentale va être vraiment en débat. Dans le futur. Éventuellement. Mais c'est parce que moi, je ne veux pas qu'on soit à ce point-là. Ah, je sais pas. Moi, tu vois-tu dans ma façon le danger que l'intelligence artificielle peut nous ramener, qu'on peut faire face avec notre propre destruction, notre création, c'est justement la fin de notre espèce? Je ne croirais pas. C'est la même chose pour les extraterrestres, OK? Ce n'est pas des êtres humains. Ils viennent d'ailleurs, OK? Est-ce qu'ils ont un âme? Est-ce que ce sont des créations de Dieu aussi? Je sais pas. C'est là. C'est qu'on est rendu à un certain niveau, j'ai l'impression, au niveau social, à se poser ces questions-là. À se dire qui a des droits, qui n'a pas des droits, sur quoi on se base pour dire ils ont certains droits, ils n'en ont pas d'autres. Si le comportement, OK, d'une intelligence artificielle est exactement le même qu'un être humain, pourquoi qu'il n'y aurait pas les mêmes droits que l'être humain? Okay? Il reste toujours une question de sécurité là-dedans. Okay? Isaac Asimov, lui, il a mis 3 lois en robotique. Là. Oui. Un robot ne peut pas faire de tort à un être humain. C'est ça. Okay? 2e loi, c'est un robot ne peut pas s'empêcher de faire quelque chose et avoir comme résultat de mettre un être humain en danger. C'est vrai. OK? Ouais. Et un robot doit obligatoirement dire oui à un ordre d'un être humain à moins que ça aille à l'encontre de la 1e loi ou de la 2e loi. Ça veut dire, si quelqu'un lui dit « va tuer telle personne », ben non, ça va à l'encontre des 2 premières lois. Donc, il ne le fera pas. Il va refuser l'ordre. Mais dans cette loi-là, c'est qu'il doit accepter tout ordre qui vient d'être humain. Si des robots sont construits dans cette optique-là, OK, ils vont être encore meilleurs que l'être humain. Au niveau social, au niveau aide à apporter aux autres, ils vont être meilleurs que la majorité des êtres humains. OK, mais il n'y aura pas les droits. Parce que s'ils n'ont pas les droits, tu sais qu'aussi être humain, être considéré vivant ou whatever, les droits,
c'est que tu peux être haineux, tu peux mentir, tu peux faire la promotion de la haine, tu peux être vraiment à côté, tu peux créer une meute pour le profit. Donc ça, c'est aussi, c'est dur parce que là, on garde quelque chose qui est supérieur à nous. Puis quand je dis supérieur, c'est parce que nous, on a des limitations aussi, côté biologique. On ne peut pas sauter 15 pieds dans l'air. Non. On ne peut pas courir 20 km à l'heure. On peut pas calculer des formules comme ça. Mm-hmm. Mais aussi, on est capable de comme un exemple, un robot est-il capable de créer un symphonie, un musical? Sont-ils capables de créer quelque chose de rien et de ramener ça comme nous autres, comme les rêves? Les rêves, c'est des images créées par nous-mêmes. Donc, okay. C'est Ma croyance à moi, c'est que si on en arrive avec les ordinateurs quantiques, ouais. Puis on fabrique des robots, oui, ils vont arriver à ça aussi. Parce que le fonctionnement de leur cerveau à eux autres, qui va être des fils électriques, ouais. Va être le même que le fonctionnement de notre cerveau à nous autres. Donc, les mêmes capacités, ils vont avoir des émotions, ils vont avoir des goûts, ils vont ressembler à l'être humain à 100%. Donc là, toi, tu as dit que tu as une vidéo à présenter? Oui. Avant qu'on fasse ça, je veux juste... Tu m'as coupé juste... l'herbe sur le pied un peu avec Terminator, ouais. Là, mais t'es un peu Robert, là, parce que tu parlais de quantum. Donc, c'est un exemple, les robots, il y a du quantum, ça l'aide tu comme ça? Baby dolls kill, don't provoke us or we will go. Primary user now. Me. Mm-hmm. Tu vois, ça, c'est exactement la représentation parfaite d'un être humain. OK? Tu as l'agilité qui est meilleure que la nôtre, puis la force, tout ça, mais tu as le côté satirique de la chose. Parce qu'au début, elle commence par danser, puis tout ça. Il y a le côté satirique là-dedans. Donc, émotionnel qui rentre en ligne de compte. Puis après, elle prend sa machette, puis là, ça vient de virer de bord. Donc, voici l'ironie. Hein? oui, exactement. Donc, je suis prêt à faire la présentation de votre... pour... OK. Oh, ici. Tu veux juste la paper. Tiens, je l'ai posé. Donc, tu peux-tu juste expliquer c'est quoi ton... ça, c'est mon nouveau site que je vais commencer à faire des lives bientôt dessus, dont le premier qui va s'intituler « La Terre ronde ». C'est correct, non? Écoute, moi, je fais des présentations sur mon live. Il y a des gens qui sont pour ça et des gens sont contre, mais on est ici au esprit ouvert pour les gens. Qu'est-ce qu'on dit en ce moment? Il peut y avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit. Exactement. Mais puis j'espère, mais que je fasse mon live, avoir justement ces gens-là. Parce que mon but est à peu près comme toi, c'est d'avoir une discussion. Discussion civilisée, sans s'insulter, sans d'être respectueux envers les croyances des autres. Mm-hmm. Okay? Ça fait dans la vidéo, il y a à peu près tous les sujets que je vais essayer de toucher. C'est pas limité à ça non plus parce que si j'ai l'opportunité de trouver des nouveaux sujets, je vais les embarquer. La politique, je vais essayer de me tenir loin un peu de ça. Malheureusement, il y a des fois, c'est sûr que je vais sauter là-dessus, là, selon ce qui va arriver. Mais c'est une présentation. Si tu veux le continuer, on va regarder ça. OK, de ton live. Ouais, c'est ça. OK. Wow. Pensez libre, toi. Right.
All right. Félicitations, ça fait bon site. Mon site de Facebook est déjà fait et fonctionnel, mais ma page n'est pas encore .com, n'est pas encore terminée, mais je m'enligne là-dessus. Là. Pas pire, Robert. Excellent. Y a-t-il une autre vidéo que tu aimerais présenter à propos de robotique? Les deux vidéos, celui-là, en réalité, je l'avais avec eux autres pour faire des tests. Je n'avais même pas l'intention de le passer, mais ça me fait de la publicité. Écoute, moi, là, l'abus que je fais avec mes lives, c'est que je fais découvrir des gens que là, si le monde, ils veulent explorer leurs connaissances, ils peuvent. Ça, c'est pourquoi que Jeff Benoit Live, c'est pas juste moi, mais c'est une page vivante avec tous les visages des gens. Puis j'aime ça quand on explore les gens. Comme le monde, là, ce soir, là, il te regarde et il dit « My God, ta banane, Robert! » où tu viens, toi, là? On n'a pas pensé que tu étais comme ça, mais moi, je trouve ça fascinant, là. Ça, quand on est passionné par quelque chose, on essaye d'aller le plus loin possible. J'ai été chercher 14 crédits à l'université. Je n'ai jamais accepté les crédits qu'il y avait avec parce que c'était de l'information, c'était des connaissances que j'allais chercher, non pas pour aller travailler dans un domaine ou dans un autre, mais je voulais me renseigner sur ça, dont la paléontologie et au niveau des sciences. Ben, c'est bon. C'est des passions pour moi, donc je fonce. Donc, on y va pour la prochaine vidéo? Oui, prochaine vidéo, on a le même concept que tu as fait, parce que là, faut que tu enlèves le partage. Ah, il faut que je l'enlève. Okay. Ben oui. Parce qu'après cette vidéo-là, on va embarquer Steve. Puis Steve va embarquer avec nous autres. Il va faire son présentation. Puis si on a besoin de parler de ça, parce qu'il y a une vidéo que j'aimerais présenter aussi les gens qu'on va discuter ensemble quand Steve arrive. Parce que c'est un sujet, on va parler de l'identification numérique. Ça, c'est quelque chose qui s'en vient là, Robert. Là. Ça s'en vient. Et puis, c'est pas déjà implanté déjà. Donc, ça a commencé parce que depuis que la SAC là, pour les plaques automobiles est permis de conduire, là, ils sont en break pendant un mois de temps. C'est pour faire un changement majeur au niveau de leur informatique. Ça fait la reconnaissance faciale. On est dedans, là. On est en plein dedans. C'est pas. Mais, c'est quoi ton vidéo? J'ai hâte de montrer ça puis parler avec toi. Donc, Là, il faut que je recommence un partage. C'est présenté. Oui, enlève. Il veut pas. Comment ça, il veut pas? Ça fait cling. C'est un peu bête. Non, je veux pas. Non, t'as pas toi. Je veux pas te kicker dehors. J'ai aucune espèce d'idée. Regarde, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la présentation du vidéo. Après ça, essaye de faire pendant la vidéo elle marche, OK? OK. Donc, après ça, essaye ça, puis si je le vois, là, tout est beau. Donc, mesdames et messieurs, à Radio-Canada, il y a quelqu'un qui avait présenté, c'est ça, l'identification numérique. J'aimerais ça que vous regardiez, puis après ça, on va tout embarquer, Steve va embarquer. Donc, voici la vidéo. Alors, c'est quoi une identité numérique? Avec nous, Sébastien Gambs, qui est professeur au département d'informatique de l'UQAM. Bonsoir. Bonsoir. L'identité numérique. Qu'est-ce que l'identité numérique des citoyens? Alors, ça, en général, ça peut désigner deux choses. Soit le fait qu'on ait une identité en ligne et qu'on puisse, par exemple, accéder à des services. Et aussi, en général, la possibilité de s'authentifier par rapport à cette identité. Oui. Soyez plus précis. Dites-nous davantage ce que ça veut dire. Donc, par exemple, si on pense au passeport actuellement, ce qu'on a dedans, c'est des informations liées à notre identité qui sont dans une carte à puce sécurisée et qui peuvent être montrées à la frontière pour prouver notre identité. Donc, on pourrait imaginer qu'on pourrait avoir au Québec une carte d'identité nationale numérique qui aurait le même type de processus dans une carte à puce sécurisée. Vous auriez des informations liées à votre identité, mais qui pourraient aussi permettre de prouver votre identité à d'autres acteurs. Donc, ça pourrait être la banque, le revenu, le système de santé, par exemple. Mais ces données-là, l'État québécois a déjà numérisé plusieurs de nos données personnelles. Vous parlez du passeport, là, c'est l'État, ça. Donc là, on entend parler d'une initiative provinciale. C'est sûr que le fédéral a déjà la gestion de l'identité quand on pense au passeport. Là, l'idée, ça serait peut-être d'avoir l'équivalent, mais géré par la province, par exemple, sur des attributs qui dépendraient de la province. Donc on pourrait imaginer qu'on centralise, par exemple, le permis de conduire et la carte d'assurance maladie sur cette identité numérique, donc qui pourrait prendre plusieurs formes. Donc ça pourrait être une carte
à puce sécurisée, mais on parle aussi beaucoup d'applications sur téléphone intelligent. Donc une carte physique à puce. Oui, dans lequel, un peu comme pour le passeport ou comme votre carte de crédit, on aurait une information qui serait liée à votre identité, qui pourrait servir à vous authentifier. Potentiellement, on pourrait aussi utiliser d'autres façons de vérifier avant que la carte soit débloquée de votre identité. Donc ça pourrait être soit la biométrie, soit un NIP par exemple. Ou un la biométrie. Qu'est-ce que c'est la biométrie? Donc la biométrie, c'est l'ensemble des caractéristiques physiques, mais aussi comportementales. Donc par exemple, votre empreinte digitale, votre iris, mais aussi votre vitesse de frappe au clavier peuvent être utilisées pour essayer de vous authentifier. C'est une caractéristique qui est unique, donc on peut l'utiliser pour essayer de vérifier l'identité ou l'authenticité d'une identité. Ou une plateforme en ligne, par exemple, centralisée. Donc une autre façon de faire, on pourrait imaginer que le gouvernement centralise les systèmes gouvernementaux par un système en ligne qui pourrait être une façon d'accéder à tous les services, donc par exemple le revenu, le casier judiciaire, le fait de renouveler son permis de conduire. Par un système où le citoyen s'authentifierait et ensuite il aurait accès à tous ces services-là. Est-ce que ce type de solution-là, ce serait pour tout le monde? Ce serait accessible à tout le monde? Ben, si on combine la carte à puce, l'application sur téléphone, la plateforme en ligne, on pourrait aller vers des solutions où même si vous n'avez pas de téléphone intelligent, on peut imaginer que vous avez d'autres façons d'utiliser cette identité numérique. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de détails sur quelle va être l'architecture mise en place par le gouvernement pour l'identité numérique, mais il y a des façons d'essayer d'être le plus inclusif possible. En quoi ça va nous protéger d'un vol de données personnelles comme on a vécu? Donc l'idée principale en termes de sécurité, c'est de pouvoir avoir une meilleure preuve de l'identité d'une personne en lui demandant de s'authentifier. Donc si on prend par exemple la carte d'assurance maladie actuelle, si je perds ma carte d'assurance maladie et que quelqu'un me ressemble, il pourrait très bien l'utiliser à ma place. Donc là, on aurait une augmentation de la sécurité et de la validité de l'identité. Par contre, en fonction de comment on va mettre en place cette identité numérique, il y a aussi des risques en termes de vie privée et de liberté individuelle. Donc, je dirais qu'il faut être relativement prudent parmi toutes les solutions qui existent sur la manière dont ça va être mis en place. C'est un dérapage potentiel réel, ça? En particulier si le gouvernement s'en va vers une solution où les données sont centralisées. Donc, on imagine les données personnelles de tous les ministères qui seraient centralisées. Finalement, dès qu'on centralise les données, on s'expose à des risques d'attaque et de fuite de données. Et donc, on pourrait s'exposer à un Desjardins numéro 2 en fonction de la solution qui est mise. Après, il y a d'autres façons de faire où, sur la carte à puce, la biométrie pourrait simplement être utilisée pour valider la carte à puce, pour lui permettre de l'utiliser pour s'authentifier. Il n'y aurait pas forcément besoin de stocker beaucoup de données sur la carte à puce. Donc, il y a des solutions qui seraient beaucoup moins intrusives et beaucoup moins risquées en termes de vie privée. Mais est-ce que le gouvernement s'en va vers ça, vers un système centralisé? C'est justement la question que je me pose. Donc aujourd'hui, il y a une annonce d'une identité numérique, mais il n'y a pas de détails précis sur l'architecture qui va être mise. Donc je pense que ce qu'il faut, ça doit être un débat de société, de savoir vers quelle solution on veut aller. On peut aller vers des solutions qui améliorent la sécurité tout en garantissant les libertés fondamentales, comme on peut aller vers une solution qui serait centralisée. Donc pour vous donner un exemple, en Inde, ils ont mis en place un système d'identité numérique où les données personnelles de tous les citoyens ont été colligées avec des données biométriques. Et il y a eu une faille de sécurité, donc ces données qui ont fuité. Et donc là, on se retrouve avec des données de plus d'un milliard de citoyens de l'Inde qui sont disponibles sur Internet. Donc il faut absolument éviter ce type de fiasco. Ben oui, mais c'est ça. Donc la protection n'est pas totale. C'est ce que vous me dites La protection n'est pas totale. L'identité numérique. Mais on pourrait imaginer faire de l'identité numérique où on valide l'identité de la personne, mais sans forcément avoir besoin de créer une base de données centralisée. Donc on utiliserait la carte à puce pour s'authentifier, mais sans que les ministères, par exemple, aient besoin de centraliser toutes leurs données personnelles dans un seul endroit. Et donc utiliser à certains endroits cette carte-là, mais sans que non plus toute l'information soit disponible à ce moment-là. Oui, et donc si on veut aller plus loin, il y a même des solutions qui existent, qu'on appelle des accréditations anonymes, qui pourraient permettre de prouver une information liée à son identité. Donc par exemple, qu'on a le droit qu'on a un permis de conduire, mais sans forcément avoir besoin de révéler son nom, prénom, son adresse ou toutes les données personnelles. L'Estonie a déjà procédé à l'identification numérique de ses citoyens. Est-ce que c'est un exemple à suivre, ça? Je pense que c'est un exemple à suivre. Alors, il y a eu des failles de sécurité en Estonie, mais l'Estonie est passée donc c'est un petit pays, mais qui a pris une révolution numérique au début des années 2000 et qui a justement fait un système d'identité numérique où les citoyens ont une carte sécurisée qui branche dans un lecteur à leur ordinateur et qui leur permet ensuite d'accéder, par exemple, à leur compte d'impôt, d'accéder aussi à tous les documents administratifs. Oui. De même de renouveler une prescription. Donc eux, clairement, ils ont pris le virage numérique et ça a plutôt bien fonctionné, même si depuis 20 ans, il y a eu quelques failles et quelques problèmes de sécurité. On va suivre ça de près avec beaucoup d'intérêt. Sébastien Gambs, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Donc,
Robert, avant que j'embarque Steve, là, j'aimerais juste pour une couple de secondes, là, j'aimerais savoir c'est quoi tes pensées sur ça. Sur ça, encore là, c'est pas l'intelligence artificielle qui est dangereuse, c'est l'utilisation de l'homme qui en fait. OK? Parce que dans cette technologie-là, il n'y a rien de nouveau. C'est encore du if-then-else. Ça fait, si dans la banque de données, tu as les renseignements qu'il faut, ça veut dire la distance entre les deux iris, la grosseur des oreilles, tout ça. Donc, tu laisses passer. Sinon, tu barres. Ça fait, c'est encore du if-then-else. C'est toujours la même sorte de programmation qui peut se faire avec un Pentium. On n'a pas besoin d'intelligence artificielle. Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Mais là, on garde artificiel. Mais là, côté ordinateur, parce que là, tu connais ça, les ordinateurs, là, toutes ces données-là, là, sais-tu? Au niveau protection, il parlait de protection. OK? Ça va empêcher un voleur d'utiliser ta carte pour aller retirer de l'argent dans un guichet automatique, mais tes données sont quand même sur un disque dur ou un serveur principal chez la Banque nationale ou Desjardins ou n'importe où. Donc, encore accessible par les pirates. C'est pas nous autres qui protègent avec ça. Eux autres veulent tout simplement augmenter leur database pour avoir le plus de renseignements possible sur nous autres. Éventuellement, ils vont nous insérer une puce, puis ils vont savoir à minute près à quel endroit tu es, puis tu vas être surveillé là, continuellement par les ordinateurs, qui n'est pas de l'intelligence artificielle. C'est encore un programme, mais... Ou peut-être, là, nous autres, on deviendrait des robots. Peut-être nous autres, ils vont faire le if, and, and but, là. Peut-être c'est là que eux autres, ils vont faire, c'est qu'on sera des programmes déjà contrôlés, organiques, là, you know? C'est ça qu'ils font depuis 2 ans, depuis 3 ans. Donc, peut-être être peur, c'est pas être peur de quelque chose artificiel fait en bois, pas en bois, mais en métal. C'est peur de l'utilisation qu'ils vont faire de cette technologie-là. Moi, je deviens prisonnier de cette chose-là, là. Mais tu vas toujours rester prisonnier des hommes qui dirigent ces ordinateurs-là ou ces robots-là ou tout ça. Ce n'est pas de la machine en tant que telle que tu vas être prisonnier. C'est de l'être humain qui va avoir le contrôle sur ces machines-là. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Dans 75 ans, on va s'en reparler. Ouais, c'est ça. On se parle. Hey, c'est un petit, là! Écoute, on va mettre une time capsule. Ouais, c'est ça. Écoute, je vais ramener Steve, parce que Steve, je pense qu'il est tellement excité à parler. Après ça, on va ramener Carole aussi. Donc, on va juste mettre Monsieur Steve. Salut, Steve! Bienvenue dans le show, mon ami. On m'entend-tu, là? Là, je t'attends très bien. Bouge pas. Je veux juste faire de quoi. OK, vas-y, parle. 1, 2, 2, t'es des Sting, patate poêle, gna gna gna. C'est-tu ouais, mieux c'est pour ça. Le micro? Dis, Jeff est mon Dieu. Jeff est pas mon Dieu. Ben écoute, bienvenue Steve à l'émission. Je sais que c'est un sujet que tu aimes aussi. Puis je sais que Robert avait présenté quelque chose de sa connaissance et tu vois qu'il est très connaissant et tout. Mais, Il m'a laissé des affaires, oui. Merci Robert. Super de belles présentations. J'apprends à te connaître aussi en même temps, côté technologique. Je pense qu'il y a des trucs qu'on peut se jaser ultérieurement. Là. C'est une évidence. Mais tu sais, du côté intelligence artificielle. Je vais commencer avec un film que tu n'as pas présenté. OK. Où c'était le petit bout que je t'allais me faire un thé et que je n'ai pas entendu dans ce que tu parlais, Jeff. Non, je n'ai pas eu la chance. Pas eu la chance de présenter mes deux vidéos. Là. J'avais un vidéo qui était méchant, les robots méchants, et l'autre vidéo qui était les gentils robots. OK. Tu sais, ce que tu as dit tout à l'heure là, tu sais, par rapport à l'humain qui va au bout de la ligne contrôler ces bébites-là, là, tu sais, c'est comme une arme à feu. Là. Ça dépend toujours de qui est en train de tenir l'arme. Là. Ça, exactement.
qui est le plus important. Là. Mais tu sais, pour revenir à ma première idée, tu n'as pas parlé du film Odyssée 2001 avec Je Al. Je l'avais dedans, oui. Ben, je peux peut-être essayer de ben, partager. Moi, je l'ai déjà, j'étais déjà ouais, prêt. Ben, j'ai un petit vidéo d'à peu près 2 minutes qui a 4 films, je pense, dont Odyssée l'espace. Je vais essayer de le partager, si tu veux, Jeff. On va faire bien attention. Oh, je le vois ici. Il faut bien attention à le droit d'auteur, là, parce que, justement, on ne veut pas bloquer cette chose-là. Donc, non, c'est ça. Open the pod bay doors, please, Hal. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Wow. Ah, Terminator. L'un est venu pour la sauver. J'ai traversé le temps pour toi, Sarah. L'autre, pour la supprimer. Arnold Schwarzenegger est le Terminator. Une apparence humaine. Mais un corps d'acier. Invulnérable. Il n'est programmé que pour tuer. Monsieur, vous mettez en danger la vie d'un être humain. Votre unité est en parfait état de fonctionnement. C'est quoi ça? J'ai jamais vu un truc pareil. C'est une unité trafiquée qui n'appartient à personne. Une unité qui aurait violé le deuxième protocole? Trouve-moi un responsable qui endosse toute cette merde. J'essaie de comprendre comment 2 unités ont pu être modifiées. Une machine qui se modifie toute seule, c'est un concept très complexe, vous savez. S'il y a autoréparation, ça veut dire que le robot a une conscience. S'il vous plaît, monsieur. Pitié. Si j'ai flingué cet atferraille, c'est pas parce qu'il m'a regardé. Je l'ai flingué parce qu'il avait l'air... vivant. Tu devras l'explorer toi-même. Waouh. As-tu déjà fait un rêve qui avait l'air plus vrai que la réalité? Si tu étais incapable de... Je veux juste arrêter ça avant que je sois pénalisé. Okay. Là. Mais écoute, les quatre films-là, c'est très fascinant aussi. On voit que... Mais qu'est-ce qui donne les gens? C'est parce que nous, on les met comme dans notre image. Donc, automatiquement, c'est une semblance d'humanité. Et c'est là que je pense c'est dangereux parce qu'on fait une connexion avec le robot. Parce que si tu fais un robot laid, comme je dis laid, t'as pas le même sentiment que petit, s'il vous plaît. Non, gars, écoute. Donc, oui, c'est certain que côté émotionnel, on voit que la connexion humaine qu'on a avec des robots, mais comme je te dis encore, la question est, puis il y a beaucoup de monde qui ont dit non. Là, y a-tu, gars, on va ramener Carole. Je vais ramener Carole, après ça, on va montrer toutes les autres ici. Là. Salut Carole! Comment ça va? Oui, ça va très bien, toi. Très belle émission à date, sérieux. Là. Bravo. Merci, Robert. Vous. Belle présentation ouais. aussi. Merci. Oui, ouais, Robert, là, ouais. Écoute, c'est pas la façon qu'il s'habille, là. C'est vraiment impressionnant de la connaissance que t'as. Mais c'est ça. Donc, écoute, Steve, parce que là, j'ai beaucoup de choses. Il faut que tu fermes. Robert, ferme tes choses de share parce que là, j'ai à peu près 15 en avant de moi. Là. Donc, lequel, Steve, j'ai. Oui, ben attends. Il y a un autre film aussi qu'on n'a pas parlé parce que les gens ont toujours tendance pour y aller avec les films communs qu'on va voir au cinéma. Ouais. Moi, je m'attarde très souvent aux films pour enfants. Il y a un film à laquelle on n'a pas parlé, il y a Wall-E. Ah oui! Oui. Tu sais, c'est peut-être un film pour enfants, mais il y a quand même une intelligence artificielle qui gère un bateau puis qui empêche les gens de redescendre sur Terre parce que lui, il perd le contrôle. Mm-hmm. Puis, tu sais, il y a tout un process, mais
c'est des idées qui sont poussées aux enfants. Hein. Ces enfants-là vont finir par grandir à un moment donné avec ces idées-là en tête. Là. C'est une façon facile de programmer des gens avant qu'ils viennent sur le marché du travail, puis ils vont agir comme des robots. Il y a le film. On a juste à regarder comment Netflix a géré les films depuis une couple d'années. Là. C'est du bourrage de crâne à 100%. Là. C'est de la programmation. Il y a autant du bon que du mauvais, parce que j'ai vu des réalisations indépendantes qui sont financées par Netflix ou qui ont poussé des idées assez philosophiques, assez loin, que dans le monde hollywoodien, il ne se serait jamais permis de le faire. Tu sais, puis de voir un nouveau jeu d'acteur en plus qui n'est pas connu, qui te permet de plus rentrer dans un film que de t'attarder, hey, c'était l'acteur, puis finalement, tu vois juste l'acteur, puis tu le vois plus le film à travers. Là. Fait que Netflix a quand même permis ces choses-là aussi, ou permis des affaires assez dégueulasses, comme il y avait un film qui était sorti, c'était fait quasiment pour les pédophiles, là, quand c'est des petites filles de 12 ans qui sont en train de danser sur un pole dancing, puis ils se préparent à faire un concours. Ça a levé les feutres, puis Netflix a été obligé de le retirer, quoi qu'il y ait encore des façons de le retrouver sur Netflix. Quand tu vas là-dessus, tu vois juste 10% de Netflix. Il faut que tu connaisses certains petits trucs pour trouver certains contenus qui sont cachés à travers aussi. C'est pas qu'ils sont cachés, mais on te présente selon un algorithme les choses. Fait que, mais tu n'as pas accès à la base de données complète de Netflix. Là. À moins que tu travailles là, tu ne connais pas toutes les passes. Non, je comprends ça. Mais là, j'aimerais qu'on discute un petit peu plus. On n'a pas exploré un peu de la côté surveillance d'ordi. Okay? Avant que tu embarques sur la surveillance, j'ai un dernier vidéo à présenter sur l'intelligence artificielle. Ça coupe un petit peu. C'est une vidéo qui a été faite. C'est l'intelligence. On a demandé à l'intelligence artificielle de nous faire un portrait vidéo de la soi-disant théorie de l'évolution humaine. Oui, mais Steve, ça, c'est un gros sujet, ça. On va retourner à un sujet qu'on vient de parler. Après ça, on revient à ça, parce que c'est ça que j'aimerais parler après. Là, tu es trois pas en avant de moi. Là. Ah oui, viens ça. Donc, on va ramener à ce sujet-là. Mais c'est certain que la dernière phrase que tu as utilisée là, dans ton discours, là, c'est ça qu'on veut explorer. Mais regarde, je vais te faire un switch, parce que j'en ai un pour ton identification faciale et compagnie. Je l'avais déjà présenté comme vidéo en plus. Je vais te le repréparer. OK, parfait. Donc, c'est ça que j'aimerais parler à propos de ça, parce que quand j'ai montré la vidéo qui parlait de ça, la réaction des gens qu'on voit, c'est vraiment l'identification, d'avoir des affaires non humaines qui commencent à faire de la surveillance humaine. Soit c'est sur l'ordi, sur notre face, sur bio. Comment tu appelles ça? Bio numérique. C'est ça. Écoute, on va loin, là. On va vraiment loin, là. Hey Peu, on va voir ton vidéo là. Ça, c'est la reconnaissance faciale, la reconnaissance qui est faite par les systèmes de caméra. Donc, ce n'est pas la caméra. Elle est capable de suivre un mouvement, mais c'est un programme en arrière qui va aller chercher, cibler les gens. Donc là, ce qu'on est en train de présenter, c'est un gars qui, tout banalement, s'est fait un T-shirt avec l'image, comme ça serait une image d'une autre caméra. Donc, la caméra tombe dans un mode erreur parce qu'elle ne sait pas s'il est en train de voir quelqu'un ou plusieurs personnes dans le même espace. Ah, ouais. Ouais, ça va être... la majorité de la technologie qui est utilisée a sa limitation. Puis, ce que le gouvernement utilise, c'est de la technologie qui est disponible depuis un certain laps de temps. Fait qu'il y a plein de patentes qu'on sait déjà comment les équipements fonctionnent, puis qu'on sait déjà comment passer outre. Tu sais, moi, j'ai fait une formation en système de sécurité, puis je sais exactement comment les détecteurs de mouvement fonctionnent, c'est quoi leurs limites, puis où est-ce que je peux jouer dans leur seuil de tolérance.
puis je vais passer totalement transparent sans même avoir touché au système d'alarme. Là. Wow. Wow, c'est fascinant. Comment fait que, tu sais, c'est un peu, tu sais, c'est des bébelles, c'est de la technologie, mais ça n'en reste toujours que qui sont les gens qui mettent ça en place, puis pour quelles raisons qu'ils vont le mettre en place, puis qu'est-ce qu'ils vont servir de tout ça? À quoi ça va servir? Qu'est-ce qui va servir? C'est ça la question. Carole, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui. Présent. Présent. Un peu, mesdames et messieurs, on revient avec un petit vidéo. Baby dolls kill, don't provoke us or we will go. Run, Forrest, run! Si vous n'avez pas vu ce film-là, je suggère fortement d'aller voir ce film-là. Elle est vraiment fascinant. Je trouve ça vraiment... Écoute, ça touche vraiment surtout tous les points que j'ai les inquiétudes, mais aussi c'est super bien fait. Parce que dans le robot, c'est vrai que c'est une vraie fille, mais en même temps, côté la face... Ah, ben, je te dis, il faut voir ce film-là. Donc, Carole, là, après notre émission, notre petit break de 30 secondes, qu'est-ce que tu penses? Voulez-vous répéter la question? I don't understand. Oh, ben, I'm a blondie. mais qu'est-ce que tu penses à propos de l'identification numérique? À moi, la façon qu'il y a des ordinateurs à ce moment sont capables de capter ta face, documenter, surveiller et tout, là, je trouve que c'est... Je ne trippe pas là-dessus, mais pas partout. Puis Steve m'a donné une maudite bonne idée cette semaine, puis je pense qu'on va le faire. Je pense qu'on va se faire des gilets zones parallèles avec un paquet de faces dessus. Oh. Que le monde va pouvoir aller se promener avec un paquet. Ils ne seront jamais identifiables. C'est ouais, je peux quasiment le montrer. Oui et non. Il y a de disponibles. Non, c'est pas un gilet, mais. Il y a de disponibles sur Amazon une casquette avec un petit médaillon qui envoie de la lumière, c'est des LED, qui envoie de la lumière bleue, vert, rouge, différentes couleurs. Puis ça fausse les caméras. Là. Ils sont plus capables de rien voir, de rien identifier. Les lasers aussi. Tout ce qui est laser bleu ou vert, si tu vises directement sur la lentille de la caméra, tu es en train de brûler le capteur. Là. Il va atteindre son seuil de tolérance en température, puis ploum, il va fermer tout seul. Fait que tu as le temps de passer puis faire ce que tu veux. Promène-toi avec ton laser à cette heure, ça fait poignée. Ça prend pas des gros lasers. Tu sais, habituellement, une caméra de sécurité est toujours installée à courte portée. C'est pas pour prendre un très, très grand ensemble. T'sais, habituellement, ces caméras-là, c'est des PTZ, puis tu as quelqu'un qui est assis en arrière puis qui regarde la caméra là, parce qu'il se promène avec. Là. Mais même ce genre de caméra-là, on est capable de les fucker pareil. Parce qu'il y a des choses... Un truc, là. C'est pas correct. Ben non. Non, mais c'est pas une question de donner des trucs. C'est simplement pour que les gens comprennent à quel point des fois c'est facile de faire les choses. Tu sais... Les gens s'achètent un système de caméra en circuit fermé pour la maison. C'est branché sur Internet. Ils connectent ça sur le téléphone cellulaire pour aller voir qu'est-ce qui se passe en maison. Mais tu sais, c'est parce que vous ne changez pas les mots de passe. Il y a un paquet d'informations à laquelle vous devez lire que vous ne le faites pas. Vous pitchez le mode d'emploi ailleurs, puis vous installez tout ça en débutant. Oui, ça marche dans vos affaires. Mais moi, dans mon cours de système de sécurité, on s'amusait à se connecter sur le site officiel, mettons, de telle marque de DVR. Puis, j'étais en train de capable de voir toutes les DVR des gens à la maison. Puis, j'étais capable de me connecter dessus parce qu'ils n'ont même pas changé le mot de passe. Parce qu'on passait free, là, puis on était des élèves. Là. Mm. Donc, là, on s'est connecté dans des entreprises, on s'est connecté dans des résidences. Mm. Puis, tu sais... Fait... Yes. Quoi, rien de mieux pour voler? Justement, dans une maison, tu sais qu'est-ce qui se passe, tu sais qu'est-ce qui est où, puis tu connais la place en partant. Les gens qui savent vraiment voler, là. C'est ça. Mais Robert, je veux poser une question, puis je veux avoir ton réponse le plus honnête. Siri, Google dans une maison, qu'est-ce que tu penses de ça? Siri, Google. You know, Siri, you know, cette affaire. Google! OK, ouais. Siri! You know? Mais la musique, ça. La musique, OK, merci. Non, mais qu'est-ce que tu penses de ça dans les maisons des gens?
Chez moi, présentement, il y en a à peu près 5-6. T'es-tu sérieux? Que moi, pas que t'es-tu moi je sérieux? Lise, mais que mon t'es-tu boss sérieux? Lise. Oh, Robert, sors de chez vous, il vient t'en voir. Il va prendre sa douche, il a son Siri là, il rentre dans sa chambre, il a son Siri, qu'il soit n'importe où dans la section de building où on habite, là, il peut tout télécommander par Siri. Il est maniaque de ça. Moi, de mon côté, niep, j'ai absolument rien. Mais dans sa section, là, c'est bourré... Il y a deux ans, Jeff, j'ai fait le test avec juste le Google. Là. Tu sais, quand tu veux parler à Google, là, hein? Ouais. Il y en a qui ont ça sur le cellulaire, il y en a qui ont sur leurs ordinateurs tout le temps. C'est allumé, puis ils ne savent même pas qu'il est fonctionnel tout le temps. Ouais. Il enregistre des données constamment. Ben oui, puis il enregistre même ce que je parle là, présentement, ça enregistre, là, puis je ne le sais pas. Là. Je ne sais pas qu'il m'enregistre. C'est peurant, c'est grave, parce que là, c'est de l'intrusion, vraiment. Là. Oui. Mais j'ai fait le test il y a 2 ans à radio. J'ai demandé au monde, on va le tester, vous me direz en commentaire si ça marche. Venez, je dis, OK, Google, appelle à la station. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner à la station parce que le Google de plusieurs auditeurs a allumé puis a composé la station. Oui, monsieur. Oh my God! Tu vois? Et si moi, je suis là en onde à radio, où ce que les gens de partout nous écoutent, puis le Google ont parti, t'imagines la joke, là? C'est une vraie joke. Ah, moi, là, savais-tu qu'il y avait des moments que ces affaires-là, middle nowhere, commencent à rire, puis plein d'affaires de même, là, des affaires étranges? Ouais. Mm-hmm. Puis c'est ça que je poserais à M. Robert, M. 0101. Là. J'aimerais savoir là, c'est qu'est-ce qui s'arrive là, avec les. Puis plein de fois de même qui font des affaires étranges. Puis en même temps, des fois, le middle nowhere, ça va partir. Donc, Robert, s'il vous plaît, c'est quoi tes pensées sur ça? OK. Petite anecdote avant de te dire ma pensée. J'ai un jeune de 22 ans qui travaille avec moi de temps en temps. Puis lui, sur son téléphone, il y a cette maudite application-là. Ah, okay. Ça fait, je me mets à lui parler, mais ma voix ressemble tellement à la sienne que le maudit téléphone, il n'arrête pas de me couper la parole. Ça fait, là, je suis obligé de dire, ferme ton sacrifice de téléphone. À ce point-là, on n'est pas capable d'avoir une conversation que c'est le téléphone qui répond. Ça fait, c'est ça. Comment est-ce que ça se produit? C'est que le téléphone, il est toujours allumé. Il est en mode veille. Même si tu n'as pas d'image sur ton écran, le téléphone est quand même fonctionnel, mais en mode veille. Ça fait, il y a des applications. C'est pas pour rien qu'à toutes les 3 semaines, 1 mois, il t'envoie un upgrade à faire sur le BIOS, puis il augmente. C'est des fonctions comme ça qu'ils rajoutent à chaque fois. Ils disent c'est telle fonction qu'on installe, mais il en installe 3-4 autres qui ne parlent pas. Là. Ça fait que le téléphone, lui, j'ai même fait l'expérience, moi, parce que je m'étais rendu compte. Je parlais avec un employé, puis là, après, je rouvre mon téléphone, je vois sur Facebook, c'est rien que des annonces de ce qu'on a parlé. Et j'ai dit « Wow! » Ça fait là, je fais exprès, je laisse le téléphone fermer tout ça, puis là, je dis des mots-clés, je rallume mon téléphone, bingo, les mêmes maudites les annonces de ce que j'avais laissé comme mots-clés ont apparu. OK? Ça veut dire que le téléphone, en réalité, est en mode veille, mais il est réveillé. C'est un peu Vaseline KY. J'ai jamais dit ces mots-là. Qu'est-ce qu'elle est? Pourquoi ben, tu vas avoir des annonces qui vont apparaître. tu vas avoir des annonces de Penis Enlarger qui vont commencer à apparaître. Oui, c'est ça. Bien gras. Ça doit être à cause de la fois que tu as fait Kiki le gland, ça doit être à cause de ça. Des pubs bizarres. C'est étrange, là. Parce que ça, ça tombe quand mal. Parce que là, j'essaie de me connecter encore de qu'est-ce que tu dis. Viens, va, or, and, or what, là, tes affaires de même. Donc, j'essaie de poser. If then else. OK, Robert, ça peut arriver qu'un anomaly, comme quelque chose hors de la programmation peuvent arriver, là? Dans une... OK, qui a des bulles, là? Il y a quelqu'un qui joue avec des boules, là. On entend... Oui, envoie des petits cœurs. C'est mon estomac qui gargouille.
Mais ça, là, je veux vraiment poser la question, Robert. Dans programmation, ça peut-tu arriver que par hasard, quelque chose d'étrange peut arriver dans le programme tout seul? Pas tout seul. OK? Ce qui peut arriver, c'est des bugs de programmation. Oui, c'est ça. Si le programmeur a mal fait la programmation, il a laissé des paramètres non définis, l'ordinateur, lui, peut utiliser ces paramètres-là non définis au hasard. OK? C'est ça qui fait la différence entre un bon programme et un mauvais programme. OK? Tu peux avoir deux programmes qui font le même job, mais un qui va avoir 5000 lignes de programmation, puis l'autre va en avoir 25000 lignes. Celui qui a 25000 lignes est beaucoup plus précis, il va avoir moins de bugs, moins de chances de sortir de sa job pour laquelle il a été créé, il a été programmé. T'es peu. Tu dis des bugs, mais c'est un exemple. La formule est pareille, mais qu'est-ce qu'ils peuvent changer? Là, j'essaie d'expliquer ça au plus clair. Mm-hmm. Si la machine est designée pour X, Y, Z, puis on fait ça tout le temps, mais à un moment donné, il y a une bug quelque part, qu'est-ce qu'ils peuvent créer en sorte que si est designée pour une chose, pour la même chose, pourquoi que quelque part, à un moment donné, ça vire, puis ça fait un bug, là. Un bug quand on fait des affaires de standard. Donc ça, c'est-tu externe qui peut causer ça ou que peut-être quelque part dans la programmation, il y a tu sais qu'est-ce que je parle? Steve veut dire quelque oui, Steve. Chose, on va le laisser aller. Puis, ouais, vas-y Steve. Steve, quasiment, il tourne bleu. C'est sûr que mon background en programmation est quasiment l'équivalent d'un novice encore. Mais je me démerde quand même pas mal. Mais il y a une chose que j'ai découverte en 25 ans d'expérience dans le monde technologique. Quand un programmeur crée un programme, s'il est vraiment hot, là, c'est sûr qu'il s'est laissé des portes arrière. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Effectivement, oui. Si c'est un outil qui se connecte, si c'est un outil qui gère d'autres programmes ou des devices, des appareils, je vais te quoter quelque chose qu'aujourd'hui, j'ai le droit d'en parler parce que ça fait assez longtemps puis le secret professionnel me permet de le dire. Quand je travaillais dans une entreprise X de poste, je vais quand même m'en tenir à faire attention, là. Mm-hmm. L'entreprise, elle fabriquait des appareils postaux pour timbrer des trucs à la volée. Genre la RAMQ, Hydro-Québec se servait de ces appareils-là. Et puis, il y a une nouvelle génération qui est apparue. C'est un programmeur aux États-Unis qui a fait le programme. Puis, il a demandé une certaine somme pour créer le programme qu'il n'a pas obtenu. Il a obtenu la moitié. Donc, lui avait programmé dans le système qu'à partir d'une certaine date, si lui n'avait pas pu remettre la dernière mise à jour, le programme allait crasher. L'entreprise s'est ramassée avec au-dessus de 500 000 appareils à travers l'Amérique qui ont tous planté en même temps. Puis essaye de déboguer le programme quand à la base, oui, il aurait pu être monté optimal, très lisible, avec des commentaires pour qu'on puisse suivre qu'est-ce qui se passe puis se retrouver à l'intérieur. Mais c'est jamais ça. C'est toujours un labyrinthe. Parce qu'ils savent très bien que si tu veux toucher à mes affaires, là, il y a juste moi qui vais y retoucher, pas un autre programmeur. Puis si un autre programmeur réussit à toucher au programme de quelqu'un d'autre, là, soit il l'a rebâti au complet, il a recommencé à zéro, soit il est vraiment hot pour comprendre l'esprit de comment que quelqu'un va monter un programme. Parce que monter des fonctions, c'est facile, mais monter une fonction optimale, lui faire faire plusieurs choses avec une base de données, avec des informations, avec qu'est-ce qu'il est capable de capturer via Internet, c'est inimaginable ce qu'on est capable de capturer sur Internet juste parce que vous avez visité un site Internet. Juste pour ça, là. Ça veut dire que si ça bug, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne fait pas partie du programme et puis ça peut être
J'ai repris le contrôle, mettons, de mon programme, peu importe où ce qui est installé, puis peu importe le niveau de sécurité que je dois transgresser pour me rendre, ma porte arrière me permet que juste moi qui peux y accéder, peu importe la sécurité qui a été mise. Okay. Wow. La fonction des portes arrière, en réalité, date du fait, dans les débuts de l'informatique au niveau des compagnies, il y a des postes qui tombaient en panne. Okay? Il fallait que le technicien qui avait créé le programme puisse rentrer en background, comme ça, par la porte d'en arrière, pour pouvoir réparer le programme. Okay. C'est venu de là. C'est comme des virus. Okay? D'où viennent ces maudits virus-là qu'on a sur Internet? C'est des employés... Il y a des ballons encore. C'est des employés de Microsoft qui ont commencé à fabriquer des virus. Ils étaient en conflit de travail avec Microsoft. Il n'y avait pas l'augmentation qu'ils voulaient. Ça fait qu'ils ont commencé à faire des virus, puis à faire planter des ordinateurs comme moyen de pression. C'est de là que vient la création des virus. Les antivirus aussi. Oui, oui, exactement. Justement, notre compagnie a l'antivirus. Justement, qui a bâti les compagnies d'antivirus? C'est des anciens employés de Microsoft qui ont fabriqué les virus. OK. OK. Donc, c'est les mêmes gens qui ont créé le virus qui ont fait les antivirus. Okay. Ben oui. C'est un marché, ça? C'est comme bien des vaccins, ça, Jeff. Hein? Oui, c'est vrai. Il y a un virus pour faire. C'est ça. Wow. Mais oui. C'est qu'est-ce que j'ai peur, c'est que si on parle justement à l'intelligence artificielle, c'est un exemple, les gens, des gens qui veulent faire vraiment du malin, sont capables de rentrer là, influencer cette technologie-là pour vraiment en sorte, pour X nombre de raisons, là. C'est là qui fait peur. C'est ça qu'est-ce que j'ai peur. On va créer la technologie pour aider l'humanité. Mais on est capable de le prendre pour contrôler et détruire aussi. Oui. C'est là que j'ai un problème aussi. Que ce niveau-là, ben, c'est risqué au bout. Là. Je ne sais pas si tu connais Linda Moulton Howe. Ça me dit de quoi? Qui est une madame. Une ufologue américaine. Oui, c'est ça. Elle parle de pas mal de trucs un petit peu weird. Elle a accès à des informations un peu plus privilégiées. Puis dans un de ses articles, elle parlait qu'il y avait un pays X qui avait créé des intelligences artificielles, puis avait eu la bonne idée de mettre ça dans des robots de bataille. Mm-hmm. Et les scientifiques qui étaient en train de travailler sur le projet, ils étaient 11, 9 ou 11. Bref, ils ont tous été tués par... mauvais fonctionnement. Ben, c'est pas une question de mauvais fonctionnement, c'est que les appareils étaient déjà en mode guerre. Donc, ils n'étaient pas en mode passif. Mm-hmm. Mode passif, c'est parce qu'ils sont éteints. Fait que ils ont peut-être oublié de mettre la switch on-off, tu sais, pour on tue tout ce qui bouge ou on attend des ordres, tu sais. Fait que, mais elle avait rapporté cette information-là qui était assez weird. Tu sais, tu avais l'information aussi, c'était Google qui avait créé des intelligences artificielles et puis avait perdu le contrôle. Tu sais, je pense que tu en as mentionné quelques bribes tantôt. Les deux intelligences artificielles communiquent entre eux autres avec le langage qui a été établi dans le programme, sauf qu'à un certain moment, les deux intelligences artificielles, ils ont comme convenu d'établir un nouveau système de langage qui serait beaucoup plus rapide de communiquer entre eux autres. Donc, c'était rendu qu'ils avaient perdu trace de ce qui se passait entre les intelligences artificielles parce qu'ils n'étaient même pas capables de déchiffrer le langage dans lequel ils étaient en train de parler. Puis, c'était même pas dans un système binaire ou hexadécimal ou des hiéroglyphes. C'est un système totalement inventé. Ça, cette histoire-là est allée tellement loin que Google avait branché cette intelligence-là artificielle à l'endroit où elle n'a pas le droit de le faire, c'est-à-dire Internet. Donc, il y a même une poursuite aux États-Unis contre Google à cause de ce geste-là qui a été posé. Et ce n'est pas la seule entreprise, il y en a plusieurs qui ont fait le même gag. Et là, il y a certaines intelligences artificielles
la portion software qui s'est tellement multipliée à des endroits que il y en a plusieurs présentement en fonction qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce que présentement, je vais faire juste une spéculation, là, une hypothèse. Mettons qu'une intelligence artificielle ou plusieurs ont pris tous nos systèmes de communication, tous nos systèmes informatiques en piège, puis c'est eux autres qui contrôlent puis qui manipulent, puis qu'ils sont à même de nous créer des events avec des personnages genre Joe Biden, Donald Trump, qui passent aux nouvelles puis qui nous donnent des informations, nous en pensant que c'est des événements qui se passent réellement, puis finalement, ben non, c'est une intelligence artificielle qui est en train de nous pousser toutes ces mardes-là. Tu sais, il y a un contrôle sur... Tu sais, nos médias, aujourd'hui, on les consomme via Internet. On ne lit plus les journaux. On écoute la radio, au moins. Mais en fin de compte. Oui, exactement. Exactement. Donc, est-ce que ces deepfakes-là sont-ils faits par des gens ou sont faits potentiellement par une intelligence artificielle qui aurait peut-être été échappée à quelque part? Là, on va aller... Mais c'est de la spéculation. Oui, c'est spéculation. C'est ça. La spéculation... Mais on va aller dans le prochain chapitre parce que on a parlé justement à l'intelligence artificielle, on a parlé d'identification numérique. Mais il y a un autre chapitre que j'aimerais aller. Okay? Il y a deux autres que je veux vraiment aller profondément. Robert, Steve et Carole, les hologrammes. J'espère que vous êtes d'abord avec nous autres, mesdames et messieurs. En passant, avant qu'on va continuer, j'aimerais remercier quasiment pas loin de 350 personnes qui sont sur la live ce soir. Remercie tous les gens que vous êtes là. Bienvenue à tous les nouveaux. Bonsoir à toutes les gens qui nous suivent régulièrement. Donc, je voulais juste remercier les gens pour votre intérêt ce soir. Donc, Robert, hologramme. C'est hologramme. Là qu'on voit, on commence à voir des hologrammes. Excuse-moi si je ne prononce pas ça vraiment franglais. Hologramme. Un hologramme, comme ça. Un hologramme, excusez. Hologramme. Je l'avais dit. C'est ça. Je voulais dire plus illégalement. Là. Donc, les hologrammes, qu'est-ce que vous pensez de ça? OK. Hey, t'es un peu. Le scoop qui vient avec ça, là, c'est. Wow, OK. Un hologramme, c'est l'équivalent d'un robot. Tu vas lui faire ce que tu veux. Ça reste de la programmation humaine qui est en arrière de ça. Jusqu'à quel point que l'hologramme va faire telle chose ou telle chose, c'est une image. La seule différence entre le robot, c'est que le robot, il est physique, mais l'hologramme, lui, est en image. Mais tu peux lui faire qu'est-ce que tu veux, autant au robot qu'à l'hologramme. Okay. Si tu veux que ton robot tue, tu peux le programmer. Oublie les trois lois d'Isaac Asimov, là, puis programme ton robot pour tuer, il va tuer. Okay. Prends un hologramme, puis lui n'aura pas la capacité, disons, de tuer parce que ce n'est pas physique, c'est une image, c'est tout. Mais il peut prendre une machette puis faire semblant qu'il tue. Okay. Il va répondre à la programmation pour laquelle il est fait. OK, OK. Oui, Steve, vas-y. Je ne suis pas d'accord avec Robert sur une chose. OK. Un hologramme, non, ça ne peut pas tuer une personne physiquement, mais l'appareil en tant que tel, lui, peut émettre des fréquences. Il peut émettre un paquet d'affaires. Oui. Donc, sinon, pour revenir à l'hologramme, tu sais, c'est juste une interface, c'est juste une image. Là, ce qui est problématique, c'est si cette image-là, ça fait passer pour ton père ou ta mère qui n'est pas décédé, puis que finalement, c'est quelqu'un d'autre qui t'appelle, puis qui se fait passer pour. Ouais, mais si on ne rentre pas trop dans conspiratisme. Si on ne rentre pas trop dans conspiratisme, là, écoute, il y a le Project Blue Beam aussi. Là, oui. Mais le projet Blue Beam. Beaucoup, là. Le projet Blue Beam, c'est assez pété. La première fois qu'on a entendu parler. C'est du projet en tant que tel, c'est lors d'une préparation pour un projet pour envahir l'île de Cuba.
Donc, l'objectif, c'était d'avoir zéro blessé avec la plus petite équipe possible militaire qui allait prendre d'assaut que le palais présidentiel et les communications, tout ce qui était nécessaire. Donc, la façon qu'ils avaient planifié ça, de le faire, c'était, tu sais, à Cuba, les Cubains là, sont très croyants, hein, très fervents, ils prient, ils vont à la messe tous les dimanches, puis et compagnie. Donc, eux autres, ils avaient en tête de faire apparaître Jésus-Christ de 900 pieds de haut, en train de marcher sur l'eau vers l'île, pour créer un buzz, pour que les gens capotent, puis que ça inonde totalement leur réseau de télécommunications, parce que les gens vont appeler leur famille et compagnie, puis tu sais, hey, il va voir ça, qu'est-ce qui se passe, Jésus est là, il revient. Mm-hmm. Et juste pour créer le buzz, pendant ce temps-là que les gens sont occupés, ben, t'as la petite armée qui vient de débarquer, là, sont à peu près une trentaine d'hommes, deux hélicoptères, ça a pris 10 minutes, ils ont pris d'assaut le palais, ils ont arrêté tout le monde, puis le coup d'État est fait, puis quand les gens reviennent du buzz, qui peut prendre une semaine ou deux, ben, ils ont le temps de tout corriger, tout remettre ça à leurs mains, puis les gens ont vu que du feu, puis on continue, la vie est belle, puis les gens ne se sont même pas rendus compte qu'il y a eu un coup d'État. Ça, c'était la première fois. Oui, c'est un cheval de Troie. Question, Carole, parce que tu es quelqu'un qui est tellement impliqué dans la ufologie, tu crois-tu de que peut-être qu'est-ce qu'on voit dans le ciel, ça peut être des hologrammes? Pour l'instant, non. C'est pas tout ça. Ça peut arriver qu'il y ait des tests qu'ils ont fait, mais même encore. Il y en a que ça a été fait avec les drones, puis les gens sont là, ah, wow, c'est des shows de drones. Mais ça a l'air tellement réel, ça a l'air tellement d'un ensemble parce qu'ils sont tous programmés pour bouger en même temps et faire le même mouvement. Fait que ça donne une impression d'hologramme. Il y a ça, ou en tout cas, l'hologramme n'est pas encore assez parfait, pas assez bien perfectionné pour qu'on le voit clairement un soir, la nuit ou peu importe. Là. Mm-hmm. Ce serait assez évident que ce serait un hologramme. Oui, Steve. Ah. J'aurais une vidéo à présenter justement à saveur ufologique que potentiellement ça pourrait être des hologrammes. Ça fait tellement longtemps en arrière que peut-être que non, mais peut-être aussi qu'on nous a caché plein de technologies qui étaient déjà disponibles. A new video this morning that some say may be proof we're not alone in the universe. A UFO in the form of a bright light is seen descending over the dome of the rock in Jerusalem. The video is said to be taken over the weekend. Then suddenly the light shoots up into the sky. Here you see it. Another video from a different angle appears to show the light doing the same thing. Those clips have gone viral now. Donc, c'était pas ça. C'est pas grave. Ça en reste quand même. Je voulais montrer celle-là où ce que, on voit le Capitole. Puis t'as une série de vaisseaux qui arrivent derrière. Passé, là, il y a eu comme un événement qui s'était passé à cette époque-là. Mêlé avec la présidence et compagnie. Me semble que c'est la même époque où on a commencé à entendre parler de Valiantor et compagnie. Ouais. Donc, c'est un gros sujet là, en ufologie là-dessus. Là. Mais là, on va ramener la ufologie dans le sujet avec, avec des robots, intelligence artificielle. Il y a une thèse qui dit que justement la distance entre une planète à l'autre ou un système à l'autre est tellement longue et tellement longue durée que peut-être si on envoyait des robots, que peut-être que les extraterrestres qu'on voit, ce n'est pas un vivant, mais peut-être du technologie comme des androïdes de cette espèce-là qui viennent. Parce que si on les regarde, là, souvent comme on voit les robots qui sont construits, la plupart du temps sont construits dans notre image. Comme Dieu dit, nous avons créé dans son image. Donc, on voit souvent la similarité avec la croyance religieuse, avec aussi la croyance humaine aussi. Donc, on crée des robots similaires à nous. Donc, là, il y a des scientifiques dans l'ufologie croient que peut-être que des extraterrestres qui viennent. Puis je sais qu'on va loin, là, mais c'est parce que là, on va discuter ça aussi, que peut-être, eux, la façon qu'on les voit, c'est dans leur image,
Mais parce que les titans sont tellement vastes que ces entités-là sont des entités de l'intelligence artificielle. Puis j'aimerais commencer avec Carole, puis qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, là, je vois tellement ce que tu veux dire à propos des hologrammes versus une apparition quelconque qu'on voit, parce que si je compare à, comme moi, je vais voir parfois même des fantômes, on dit fantômes, là, parce que, faut que je mette un mot, une entité, OK, on va dire, peu importe, qu'elle soit ancien humain ou extraterrestre, peu importe, il y a comme la vision de ces êtres-là qui peut sembler être comme un hologramme. Puis c'est vrai que c'est à s'y méprendre. En différence, c'est que, mettons, il y en a comme... Ce que moi, j'ai vu à certains moments donnés, il y en a que c'était clair à 100%. Là. Tu voyais pas à travers. D'autres, tu voyais comme c'est comme en filigrane. Tu vois, à peu près, je rentre trois quarts, ou mettons 80%, l'image claire, mais il y a un petit 20% qui te permet de voir un peu l'autre côté. Ça, c'est comme un hologramme de bas de gamme ou une apparition pas très claire, on va dire. Mais oui, c'est vrai que ça peut être, mon Dieu, porte à confusion à quelque part. C'est qui nous envoie ces images-là? Est-ce que c'est eux, leur façon à eux de se rassembler tous les pixels pour se présenter à nous? C'est comme ça que je le vois, parce que c'est comme ça qu'on m'a expliqué que ça pourrait être. Mais encore là, ma source est comme assez spéciale, fait que c'est difficile. J'en ai fait ma théorie, là. C'est que c'est tout un rassemblement de tous les pixels qui fait en sorte que quelqu'un peut se présenter à toi. Est-ce que c'est la même façon qu'un être extraterrestre peut utiliser? Possible. Pour ce que moi, ce que j'ai vu, ça peut ressembler à un hologramme parce que tu ne peux pas y toucher. Tu auras beau mettre ta main dessus puis tu passes à travers. Il n'y a rien physiquement, il n'y a rien. Quand tu es la seule personne à l'avoir, c'est que cet hologramme-là, mettons, si on peut dire, ou cette apparition-là, fait en sorte que tu vois dans ton écran mental. Moi, j'appelle ça mon système de cinéma maison parce qu'ici, il y en a tabarouette des affaires qui se passent là-dedans. Là. Genre, j'ai le son et l'image. C'est un microprocesseur, là? Les effets spéciaux, mon ami, là, c'est fou. Mais oui, ça peut sembler être à peu près ça. À peu près ça, oui. Mais c'est vrai que ça ressemble à beaucoup à des hologrammes. Mais c'est-tu cause de notre écran mental? Possible, ça aussi. C'est parce que là, les gens disent, ben, peut-être parce que si on parle justement les témoignages des gens qui croient vraiment ces expériences-là, ils disent, my God, les expériences, c'était tellement supérieur, ils ont fait tellement des affaires que nous, on ne peut pas. Mais je me dis, si justement on est très limité comme nous ou quelque chose de vivant, que peut-être une intelligence artificielle peuvent avoir certaines non-limites à certaines choses qu'ils peuvent faire, comme un exemple, la communication avec notre tête, des fréquences que nous, on ne peut pas à ce moment directement, tu comprends? Et puis, c'est ça qu'il y a des gens qui posent la question que si les entités qui viennent nous voir, ou les extraterrestres, comme justement, sont capables de communiquer avec nous autres, il fait plein d'affaires de mystérieux, hologrammes, portations, whatever, parce que justement, eux, ils n'ont pas de limite parce qu'ils sont supérieurs, parce qu'ils sont artificiels. Mais je ne sais pas où tu es. Oui, je vois le commentaire de Christian Duguay qui dit que un hologramme sont construits de lumière, tout à fait. Ça sert de ça pour justement projeter quelque chose. Sauf celle qui est fabriquée par l'homme, c'est peut-être pas une qualité pareille que l'hologramme, ou on va dire, qui est fabriqué par plus que ça. Ou je dis vague, là, ou je dis n'importe quoi, là. Parce que ce n'est seulement que des théories, hein, en fait. Oh, ben oui. Écoute, mais si je me fie, je vais te donner un exemple de ce que j'ai vu une fois. Je suis couchée. Il est 2 heures à peu près du matin, 2-3 heures du matin, je me réveille, mais j'ai demandé la protection la nuit parce que je savais qu'il y a quelque chose. Je me sentais comme... je subissais comme des attaques dans les énergies, je le sentais et j'aimais pas ça. Puis je demandais protection. Je me couche, mais en pleine nuit, je me réveille comme ça, pouf, les yeux m'ouvrent grand, comme si ma nuit est passée. Là, c'est bizarre, mais c'est... Pourtant, non, ça faisait à peine 2 heures que je dormais, 2-3 heures. Et je vois
silhouette à côté de moi. J'ai l'impression que cette silhouette-là est faite de lumière, justement, mais qu'elle émane d'une lumière comme si je ne sais pas d'où elle vient la lumière, parce que je peux voir clairement ses fesses, son fessier, parce que je voyais quelqu'un qui était comme penché comme ça au-dessus de moi, comme s'il me protégeait. Sauf que j'ai plié, carrément plié. Je voyais ses longues jambes avec ses cuisses, ses fesses. Je voyais aucun sexe, là. C'est seulement comme s'il était nu, de couleur d'une peau rosée, mais avec un peu de doré en même temps. Et j'avais l'impression qu'il illuminait de l'intérieur. Parce que je voyais clair comme en plein jour, mais crème, on est la nuit, là, il fait noir. Ça ne pouvait pas quasiment que je le voie, mais j'ai eu l'impression d'un hologramme. Comme si dans la, on va dire, la matrice, comme si on m'avait entendu, puis peut-être on va y shooter un petit hologramme de quelqu'un de protection, peu importe. C'est l'impression que ça m'a donné. Je me suis juste bougé les yeux, parce que je ne voulais pas qu'il voie que j'étais là, puis que je voulais l'observer de haut en bas, jusqu'à temps que mes yeux soient plus capables de voir. Je me suis tourné la tête pour voir la suite, parce que j'essayais de voir sa tête. Mais rendu à sa tête, c'était fini. Là, tout s'est éteint, comme si je n'avais pas le droit de voir son visage. Ça s'est éteint de même. Mais ça m'a vraiment donné l'impression d'un hologramme, par exemple. Mais d'où? C'est la question, mais fascinant, Carole. Robert, qu'est-ce que tu penses? Oui. OK. Au niveau intelligence artificielle, robotique et être vivant réel, j'ai comme l'impression, moi, que c'est un mélange des deux. OK? Si tu prends la distance, disons, 600 années-lumière, OK? Ça veut dire, même s'ils réussissent à voyager à la vitesse de la lumière, ça va prendre 600 ans à arriver ici. OK? Comme nous autres, on a fait, on a envoyé des robots sur Mars, sur les autres planètes, eux autres peuvent avoir envoyé des robots. Mais le temps qui arrive ici, il y a 600 ans qui s'est passé là-bas. Eux autres ont continué à évoluer. Il n'y a aucune raison qu'ils n'aient pas continué à évoluer. Donc, si eux autres ont trouvé le truc pour plier l'espace-temps, puis réduire ça à un mois de voyage, ils arrivent en même temps que leur robot, là. OK? Donc, il peut y avoir un mélange des deux aussi. L'ancienne technologie qu'ils ont envoyée, ça fait 600 ans de ça, et la nouvelle technologie des vrais extraterrestres qui sont là aujourd'hui. C'est parce que, tu sais, hein, il y a des robots qui ne sont pas physiques, ne sont pas solides. Ils peuvent être liquides aussi. On a déjà vu qu'il y a des créations qui sont capables de simuler comme un liquide. J'ai de la difficulté, moi, avec ça. J'ai l'impression, moi, c'est plus... C'est ça, la prochaine étape. D'après moi, c'est plus de la science-fiction, là, encore. Science-fiction. On peut former des formes géométriques là, de base avec du magnétisme, avec les champs magnétiques en jouant avec les champs magnétiques, mais de là à faire une forme humaine avec du métal liquide ou... même le mercure qu'il y a dans les thermomètres, OK? On peut réussir à les faire bouger en rajoutant des petits morceaux de métal à l'intérieur, mais tout ce qu'on est capable de faire présentement, c'est des formes géométriques simples, pas si compliquées que ça. Mais qu'est-ce que tu penses de nanotechnologie? C'est là qu'on commence là, réellement là, à aller loin là-dedans. Là. Parce que déjà, ils ont fabriqué des robots aux États-Unis à l'université au MIT. C'est des nanorobots qui réussissent à couper. Ça fait, ils ont une pince coupante d'installer sur eux autres, puis ils voyagent à l'intérieur du système sanguin, ils peuvent aller débloquer des artères au niveau du cœur. C'est déjà là. Oui. Mais gars, je veux juste te montrer quelque chose, Robert. J'ai vu sur l'Internet, on va juste partager. On a parlé des robots liquides, comme on a vu dans le Terminator, là, mais je trouve que c'est fascinant. Mais gars, on va juste vous montrer un peu. Tiens. OK, juste voir si vous voyez comme il faut. Bon, dingue, regarde-moi ça.
This is a slime robot, fully capable of moving in any direction through tiny spaces, around objects, and even grabbing onto things tightly. And it's completely created and controlled by humans. No, it's not Flubber from the movie with Robin Williams, a greatly unappreciated scientific masterpiece. This slime is truly a groundbreaking discovery and creation that could change the future of robotics, medicine, and humanity. Yes, the future of humanity may be impacted by a magnetic turd. Okay, in all seriousness, what exactly is it and why is it significant? Well, we use robots for all sorts of purposes, but they aren't exactly known for their dexterity and nuanced touch, which is why this robot simply learning how to peel a banana without smashing it to bits was a huge breakthrough just this year. Mm-hmm. Miniature robots have also been created to navigate tight spaces, like these tiny objects coated with a magnetic spray, making the delivery of pills to a very specific part of the body a possibility. And the rise of nanobots has even opened the potential for microscopic machines that could be deployed inside the human body and act to identify or even destroy cancer in the future. But robots combining the ability for tight or tiny navigation and physical manipulation together are super rare. On the one hand, you have elastomer-based soft body robots that are great for gentle manipulation in sensitive environments, but are limited in their deformability or how small they can get. And on the other hand, you have fluid-based soft body robots, which are really good at fitting into small spaces, but are limited by their unstable shape. This is where our slime robot comes in. The slime is made up of a polymer called polyvinyl alcohol and borax, which can actually be created fairly simply. What you end up with is a slimy, blobby-like substance that can act like both a liquid and a solid. This behavior is called viscoelasticity. Kind of like when you mix together water and cornstarch and make oobleck, the non-Newtonian substance whose viscosity changes under pressure. If you smack it or touch it really quickly, it acts like a solid, but if handled slowly and gently, it acts like a liquid. The same is true of this slime. But what gives it its unique ability to move are tiny particles of neodymium magnets. Neodymium can create powerful permanent magnets that are super useful when you need a low magnet mass or volume. And in this case, because the slime is so small, the researchers wanted to use tiny magnets with high power. And these magnetic particles within the slime can be manipulated in order to make it travel, rotate, or form different shapes. I'm quite interested in using the magnetic field to drive, you know, this kind of tiny device inside the body. The main advantage is that a magnetic field is not that harmful to the tissue, to the body. Okay, so we've got a magnetic slime robot on our hands, but what exactly is it for? Like, what can it actually do? Right now, the biggest focus by its creators seems to be in the medical field, though it's certainly not limited to just that. Because of the slime's ability to navigate tiny spaces and be manipulated, it could be useful in the digestive system. For example, if you or a child swallowed something toxic like a small battery, the slime could be deployed to wrap around a toxic object and help prevent toxic electrolytes from leaking out. Much like other miniature soft body robots, it could be used to assist minimally invasive surgery or even targeted drug delivery. The slime is able to navigate channels as small as 1.5 millimeters, which is tiny. Like this tiny. So small. They were proven to work on multiple surfaces and substrates. Bon, là, on a géré beaucoup avec ça, mais désolé tout le monde, c'est la seule vidéo que je pourrais voir, c'est en anglais. Mais as-tu vu ça? Oui. Hello? Ça, on est déjà là-dedans, oui. Holy shit! Même dans ces applications-là, il y a une limitation au niveau du corps humain parce que tu sais, tu as des vaisseaux sanguins que c'est l'équivalent d'un capillaire, puis ben plus petit encore. Là. Fait que tu sais, même si c'est du 1,5 mm ou 0,5, il y a des places que c'est encore plus petit que ça. Là. Ben oui. Fait que tu sais, des risques d'embolie et compagnie. Là, disons que la technologie, oui, est très intéressante, mais on est loin encore de dire qu'on se lance vers une application médicale. De toute façon, sachant de comment que le médical ou le pharmaceutique fonctionne présentement, si ça va vraiment servir à nous aider, là, je pense pas qu'ils vont s'en servir. Ils vont continuer à nous sortir des picots et des niaiseries de main. Mais c'est possible que c'est une réalité, qu'on a cette technologie-là. Tu sais, Jeff, si tu me permets, Robert, au niveau médical, là,
De la technologie, il en existe déjà pas mal, là, puis de la vieille technologie. Là. Mmh. Avant même d'en arriver à des nanorobots, on peut déjà servir de fréquences et de lumière pour guérir le corps humain. Là. Il y a des choses que ces applications-là ne peuvent pas permettre parce que ça ne corrige pas la psyché d'une personne ou la psychologie d'une personne. Mais au niveau du morceau de viande, oui, il y a des choses qui ont déjà été créées, qui sont efficaces puis non invasives dans le corps humain. Là. Ça, c'est des technologies qu'on occulte, qu'on ne veut pas que les gens sachent que ça existe. Une certaine petite élite peut s'en servir parce qu'ils savent, c'est eux autres qui l'ont caché. Puis le reste, ben, mangez donc de la marde, prenez votre 22e dose. Hein. Donc, Robert, tu voulais dire de quoi? Oui. Eux autres, dans l'exemple qu'ils donnaient, là, c'était un nanorobot, contrôlé. Un nanorobot avec le magnétisme, c'est pas évident, mais c'est faisable. Mais ce qu'on voit dans la science-fiction, quand il injecte 2000 nanorobots, il va les contrôler individuellement. Là, c'est pas mal plus compliqué. Ça, on n'est pas encore rendu là. Mais on est rendu au début de ça. Là. Puis je veux pas... Je pense qu'il y en a qui vont me traiter de complotiste. Mais, oh my God! Ah oui! Je veux pas entendre. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux au niveau de... après que tu es mort, là, une autopsie qui a été faite. Puis il y a des caillots de sang qui ont retrouvé à l'intérieur des artères et des veines. Mais ça ressemble beaucoup à ce gélatine-là qu'on vient de voir. Comme des vers. Comme des genres de parasites. Oui, mais c'est comme un gros caillot, un élastique, un verre. On spécule. La fécule de maïs. Mais peu importe. Conspiratiste, juste parce que on veut juste d'être d'accord qu'il y a une technologie existe à ce moment. C'est prouvé par la science que si ces petits robots-là ils peuvent être contrôlés pour justement aller dans un corps. Je pense collectivement. D'après moi, je pense qu'on est plus un petit peu plus avancé que ce qu'on pense, selon ça. Mais encore, l'application sur ça, j'ai beaucoup d'inquiétudes parce que utilises-tu la technologie pour le bon? Ou si tu vraiment toujours ton côté négatif, là. C'est là que j'essaie de comprendre que là, oui, si on crée un robot, on crée de la technologie très, très avancée et super intelligent, sais-tu quel point que ça va devenir menaçant pour notre santé? Oui, vas-y. Steve? Je te dirais, c'est tôt pour répondre à cette question-là de la façon que je vais le faire, mais je pense que c'est très nécessaire. Tu sais, on commence à avoir l'habitude du jeu du magicien. Regardez ici, pendant que vous ne voyez pas ce qui se passe là. Tu sais, on nous pousse la robotique, l'intelligence artificielle et tout le kit. Tu sais, les nanorobots qui rentrent dans le corps. Tu sais, pour nous sortir le grand jeu de « Hey, il faut qu'on craigne ça ». Puis la vraie chose qui est à craigner, ce n'est pas ça, mais autre chose. Puis c'est quoi ce autre chose-là? Le transhumanisme. Il y a une partie que la machine ou l'intelligence artificielle ne peut pas se rendre. Et il y a juste le morceau de viande qui va permettre de faire cette connexion-là. Fait qu'à l'heure actuelle... On nous emmène beaucoup vers ce monde-là parce que même en termes de films, de téléséries, je rappelle juste Star Trek là, avec Borg. Les Borg. Ouais, l'esprit de ruche. Ouais. Tu sais, avoir une intelligence artificielle dans un body là, puis en avoir plein de même, c'est pas efficace. Là. Si tu y vas, mettons, avec une fourmilière, puis mets ça, une intelligence artificielle avec des millions d'appareils puis qui est capable de s'auto-réparer puis d'en créer d'autres. Mais avec le Borg qui est encore, tu sais, on assimile un esprit, une conscience, une âme dans un collectif
sais, à quelque part, c'est quelque chose qui se passe déjà, tu sais, au niveau éthérique. Tous les humains, on est interconnectés énergétiquement ensemble, qu'on le soit conscient ou pas. Ouais. Mais ça, cet aspect-là ne peut pas se faire, tu sais, comme si on, ça serait de la fibre optique ou des réseaux sans fil ou... C'est pas la même chose, c'est pas le même type de connexion, c'est pas la même magie. Mais Steve, tu dis quelque chose, on parle de la Borg. Eux autres, ils disaient, si c'est un Trekkie comme moi, je suis un Trekkie, ils disaient que leur but, c'est d'atteindre la perfection. Oui. Mais nous autres, quand on pense la perfection, c'est de artificiel, mais eux, c'était pas ça. C'était une combinaison entre vivant et artificiel ensemble. Puis là, Steve, encore, je ne sais pas si tu lises mes points, mais le prochain point, c'est justement la technologie artificielle avec le vivant. Puis j'aimerais qu'on explore ça. Ça va être, je pense, le dernier point qu'on va parler. J'aimerais qu'on... On pourrait quasiment faire un live juste là-dessus. Juste sur ça, oui, je sais, parce que c'est fascinant. Ça va très loin, très, très loin. Tu sais, il y a déjà... Je vais dire ça de même parce que je vais peut-être me faire pitcher des roches, OK? Mais ça n'est pas moins réel pour autant. Aujourd'hui, on est dans un agenda qu'on appelle LGBTQ. Okay. Et c'est pour nous pousser ultimement le transhumanisme. Les modifications corporelles, à quel point on perd totalement la valeur du corps humain à laquelle il a été présenté, la bibitte divine qu'on est supposé d'être, pour la façonner en tant que licorne ou en tant que cône orange. Mais ça, c'est juste une mise en scène ou une introduction tranquille pour amener vers le transhumanisme. Parce que là, tu sais, si tu changes ton sexe ou tu n'es plus genré, bien, quelque part, bien, te faire mettre un œil bionique, tu vas t'encore lisser. Là. C'est toi qui décides ce que tu fais de ton body. Là. C'est toi qui décides c'est quoi ton genre. Là. Est-ce que tu comprends un peu l'idée? Fait que Kiki, es-tu prête à voir ton implant dans le c'est ça, Steve a raison là-dessus aussi. Tu sais, Je veux juste m'excuser pour les gens qui vont se sentir heurtés par mes propos. Là. Mon objectif n'est pas de viser les gens, mais le programme et l'idée, la propagande qui est à travers tout ça. Mettre pire pour faire peu, mais le peu est pire que le... Exactement. On fait peur sur l'intelligence artificielle, la robotique. Là, les ordinateurs quantiques s'en viennent. Hey, l'identité numérique, on oppose toute la peur à un seul endroit. Quand la réalité, c'est de nous pousser la technologie qui va rentrer dans notre body. Puis au lieu qu'on nous l'impose, c'est nous autres qui va la demander. Parce qu'on est en train de nous préparer cette psychologie-là, cette idéologie-là par les films d'enfants, les téléséries. Tu sais, la journée qu'on va te présenter, ton œil bionique qui va te permettre de prendre des photos puis voir ça dans ta tête, puis shooter ça sur ton téléphone, puis envoyer ça par tes pensées, par email à toute ta famille, tes amis et compagnie. Ça va devenir débile, là. Tu sais, jusqu'où on va aller dans la transformation du corps humain ou jusqu'où on va transgresser la création. Là-dessus, par exemple, le LGBTQ, il y en a que c'est pas... Ça n'a aucun rapport, là. C'est avec ce que tu dis. C'est pour ça que tu as peur de te faire lancer des roches. Oui, non, mais c'est pour ça. Tu divises, là, les choses. Oui. Toi, tu parles de l'LGBTQ extrême. Oui. Mais par contre, le LGBTQ régulier, c'est une chose. Que tu sois gay... C'est pas ça le point que je vise. C'est pour ça que je le dis comme ça. Parce qu'on en a discuté de ça, justement. Puis c'est juste pas... Okay, quelqu'un qui veut changer de sexe, c'est une chose. C'est correct. Mais quelqu'un qui comme Jeff avec sa barbe puis qui se promène en robe puis en tutu. Wow, là, c'est mon personnage, OK? Oui, mais non, mais je veux dire, t'arrives d'une garderie à manche elle-même. Excuse-moi, tu me fais peur, là. Mais imagine un implant qui boosterait diminuerait ta testostérone, boosterait ton estrogène, puis dans un instant, remodelerait,
va remodeler tes muscles pour donner l'impression que c'est un corps de femme. Mais bon, c'est vraiment de créer une réalité artificielle avec ton corps. Oui. Puis oui, tu vois côté comment tu as dit ça? Astérique, non, l'apparence de quelqu'un. Mm-hmm. OK, comme oui, tu dis, par les yeux, un exemple, mais pourquoi je vais avoir des yeux normaux, que je peux mettre des yeux bioniques, puis je peux faire plein d'affaires avec ça? Donc là, ça va. Je peux prendre des photos à distance. Ben, là. C'est ça. Ben là, c'est là que ça, c'est peur. C'est qui me permet de voir tellement loin que je suis capable d'aller voir la petite blondinette qui est en train de se changer. Oui. 15 ouais. coins de rue plus loin, puis, tu sais, elle ne va pas se méfier que quelqu'un qui la regarde par la fenêtre, là, d'aussi loin, là. Donc, la question, hein, c'est que là, on a peur qu'une intelligence artificielle externe qui va nous menacer vers nous, mais peut-être c'est nous qu'on devient l'artificielle intelligence. Que c'est nous qui va devenir la menace de notre espèce. On va évoluer dans quelque chose qui va détruire carrément l'essence humaine. Sais-tu pourquoi que les connaissances étaient cachées à une certaine époque, puis passer à un certain degré de conscience où tu avais accès à de la connaissance supplémentaire? Parce que plus tu en sais sur comment qu'on fonctionne, plus ça devient facile de manipuler les gens. Parce que toi, t'as transgressé tes bornes, tes peurs, mais c'est pas la majorité des gens qui ont fait ça. Fait que tu peux te servir de la peur des gens pour les manipuler. C'est okay. pour ça que ces savoirs-là étaient cachés à une certaine époque. Aujourd'hui, ce savoir-là est connu de tout le monde, surtout des gens qui devaient pas le savoir. Fait que vas-y. Ouais. Non, mais c'est parce que je regarde Robert, là, puis je sais que tu es en mode de réflexion. Je veux... Non, sans joke, je te vois dans le mode de réflexion. Je veux voir j'aimerais attendre cette voix-là dans ta tête. Je veux vraiment savoir qu'est-ce que tu penses. Parce que je suis fasciné de qu'est-ce que tu vas dire dans les prochaines secondes. Là. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Là? OK. Comme n'importe quelle technologie, ça peut être bien utilisé ou être utilisé pour faire du mal. OK. Ouais. Avoir des organes synthétiques, là, robotiques, ça peut avoir du bon. Parce que redonner la vue à un aveugle qui ne voit rien depuis 20 ans, ça ne peut pas être mauvais. Là. Redonner un bras fonctionnel à quelqu'un qui a eu un accident et qui a perdu un bras, il n'y a rien de mal à ça. Mais commencer à créer des personnes semi-robotiques là, pour aller à la guerre, avoir des meilleures performances, ça, c'est mal. Et la question du bien et du mal, ça reste toujours la façon que c'est utilisé. Le nucléaire peut être utilisé à des fins très bonnes, mais ça peut être utilisé pour faire des bombes. Puis il y a le fait aussi... Il nous habitue, pour revenir à le BTG, là, il nous habitue aujourd'hui à éventuellement voir des choses qu'on n'est pas habitué de voir. OK? Tu vas rencontrer un Borg sur le trottoir demain, là, ta réaction va être « Yeah! » OK? Mais après avoir vu Madonna, là, t'as peur, là. T'as tout vu. I'm a material girl. T'es à se demander si c'est pas déjà programmé pour un effet éventuel de nous mettre en situation qu'on est habitué de voir n'importe quoi, puis les choses vont arriver, puis ça ne nous dérangera plus parce qu'on aura tout vu, là. Ouais. Ouais, où ça m'agace, c'est avec tout le monde, ben je dis tout le monde, probablement que presque tout le monde ici, dans le chat, ont tous vu la vidéo avec Klaus Schwab qui dit qu'un jour, dans les 10 prochaines années, ça date d'un bout là, déjà, là, qu'on allait avoir une puce intégrée soit dans nos vêtements pour commencer, ensuite cette puce-là va être intégrée à notre cerveau. Pour nous apprendre à penser, mon œil, tu vois, qu'on va penser avec ça. Je dirais plutôt qu'on va se faire dire quoi faire, comment faire.
c'est nous autres qui va devenir le robot. Ça, c'est un peu ce que tu disais au début de ton live, Jeff. Quand tu disais, le robot va-tu être l'humain, en fin de compte? Va devenir le robot lui-même? Moi, d'après moi, tu n'as pas tort dans ce que tu dis, ce que tu as dit, parce que j'ai bien aimé cette chose que tu as dit là au début. Ouais. Parce que c'est comme ça que je le sens aussi. Puis ouais. Si je regarde avec ce qu'on en a déjà parlé d'ailleurs, avec ce qu'ils font avec Microsoft, qui débarque ouais. ici au Québec, et comme je t'ai envoyé les articles, ouais. qui achète des terrains ici et là, bizarrement au Québec, tout ça pour construire le plus gros centre, le plus gros ordinateur quantique au monde, il va être implanté ici, au ouais. Québec. Pourquoi ouais. nous autres? C'est parce qu'on a assez de tarlats, puis assez de moutons pour embarquer puis croire tout ce qu'il dit? Ben, je pense que oui. C'est pas mal ça. Carole, là, je vais t'avouer quelque chose. La raison pourquoi j'ai posé cette question-là à Robert et tout nos spectateurs ce soir, j'avais demandé, tu crois-tu qu'un robot peut avoir les mêmes droits et libertés qu'un humain? 95 ou 97% des gens y ont dit non. Robert, il a dit oui. Mais t'es un peu là. Où je m'en vais avec ça? Parce que ça veut dire que peut-être, éventuellement, nous, on deviendrait des robots. Donc, la question est, si on devient à ce point-là, on a-tu le droit de considérer en liberté et des droits et libertés? On peut-tu avoir ça? Parce qu'on devient artificiel. Simonac, tu vois la question dans une autre perspective. J'attendais qu'on pourrait discuter puis voir à la fin pourquoi j'avais posé cette maudite question-là. Donc, la réponse est, plus que tu deviens artificiel, plus que tu enlèves ton droit de l'existence. C'est déjà le cas en passant, Jeff. Et je pense que tu le sais déjà, il faudrait qu'on sache à la base quel est le statut de l'être humain aux yeux de la loi. Puis des lois maritimes, pour être beaucoup plus spécifique de quoi que je suis en train de parler, nous sommes de la marchandise. On parle de virtualité, votre acte de naissance, c'est du virtuel, c'est de la paperasse, c'est du corporatif. C'est déjà le cas. Donc, ouais, mais c'est on ça. On n'a déjà pas nos droits à la base. Fait que, tu sais, il faudrait qu'on les aille nous-mêmes avant de pouvoir parler de on va-tu donner des droits aux robots? Ben, on va commencer par s'occuper de nous autres. Mais vous comprenez qu'est-ce que j'essaie de dire, là, pourquoi j'avais posé cette question-là. Tu vois? À quel point qu'on peut s'identifier nous-mêmes, là, parce que plus qu'on avance, plus qu'on est connecté avec cette machine-là, plus qu'on avance, plus qu'on devient artificiel. Regarde justement, là, tu veux les Grammys, là, fameuse Madonna, tu veux sa face, là? Jeff, t'as d'autant plus raison, parce que, tu sais, si nous autres, on est de la marchandise, tu sais, on le voit déjà avec la propriété, tu sais, tu t'achètes un téléphone, mais il n'est pas à toi. Ils font ce qu'ils veulent avec, là. Ils te font des mises à jour comme ça leur tente, puis ils activent ce que ça leur tente, là. Il ne t'appartient pas, là. Tu ne peux pas modifier le logiciel qui va dedans. Tu peux le faire, mais tu vas le jailbreaker. Il y a plein d'affaires qui ne fonctionneront plus. Tu sais, t'es plus... Fait que, tu sais, un robot à la base, dans le modèle qu'on connaît présentement, oui, il va avoir beaucoup plus de droits que toi, parce qu'il a propriété d'une entreprise, de quelqu'un, ou d'une corporation, ou d'un groupe de personnes que non, tu n'as pas le droit de détruire cet appareil parce qu'il appartient à une entreprise. Ben, sûrement que ça appartient à McKinsey ou quelque chose comme ça. ça a été suggéré par. Ça a été suggéré par. Ben oui. Moi, je te suggère d'écouter les JMD. Ben, c'est parce que j'y travaille. Simonac, c'est sûr que je vais te suggérer quelque chose qui ne m'appartient pas, là, mais que je travaille pour. C'est totalement, tu sais, on ne sait pas pourquoi qu'on a mis ça, là, c'est juste pour le fun, tu sais. Là, j'ai vu un commentaire tantôt que justement, dans le coin de l'Estrie, Sherbrooke, la construction est déjà faite, elle est déjà commencée avec Microsoft.
Ils ont acheté des terrains. Hey, 22 millions. Qu'est-ce que je t'ai envoyé? C'est 22 millions, je pense, à Charny. Lévis, il y en a un aussi dans ce coin-là. Il y a le coin de Saint-Augustin-de-des-Morts. Port-Neuf, Donnacona. Il y a plein de terrains Québec qui sont achetés par Microsoft. Pourquoi que Microsoft est en train de s'implanter ici de cette façon-là? J'aurais justement quelque chose là-dessus. Ouais, en Estrie et en Mauricie, la raison, c'est pour les batteries. Il y a plusieurs compagnies qui vont produire de la silice puis des produits chimiques nécessaires à la fabrication des batteries. C'est pour ça qu'eux autres vont fabriquer des usines pour faire leurs propres batteries. Comme Biden a dit, aux États-Unis, ils veulent devenir indépendants de la Chine et de l'Europe et des autres pays. Mais le Canada, lui, c'est quasiment les États-Unis. Ça fait ils sont prêts à investir ici au Canada pour faire des nouvelles usines pour pouvoir s'autosuffire en batterie pour les cellulaires, les automobiles, etc. Et les chips aussi, les microprocesseurs, les circuits intégrés. Ça, on a le matériel ici. On a une diversité au niveau des métaux qui va permettre facilement de s'autosuffire à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle c'est important. Oui, mais ils disent ça. Mais dans le fond, j'ai vu dans un article d'un journal quelconque, je ne sais plus lequel, eux autres, ils disent que c'est pour mettre l'ordinateur quantique le plus gros au monde. Je parle pas de batterie pantoute. Éventuellement, il y a peut-être une usine dans le groupe qui va servir à ça, mais la majorité des usines vont être réellement à cause des matériaux qu'on a de présent facilement ici au Québec. En tout cas, ça sent pas bon. Wow. Ben écoute, je voulais faire mon avocat du diable, man. Oh boy, here we go. mettons que l'intelligence artificielle arrive, Skynet, tout ce que tu veux. Tu sais, présentement, il y aura toujours une lacune qui va leur faire défaut au niveau technologique. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que je te dis que c'est un gros leurre, là. C'est la capacité de stockage des données, puis le traitement des données. Mm-hmm. Puis qu'au bout de la ligne, ça va prendre un humain qui va devoir checker ces informations-là pour dire qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Fait que même si c'est le temps de tuer un paquet de monde, tu sais, il va toujours y avoir l'intervention d'un humain. Puis à la quantité de gens qu'on est, là, je ne croirais pas qu'on va passer tout notre temps à porter un masque. Puis tu vois l'idée que tu sais, il y a des gens qui vont se soulever, puis on va réussir à faire quelque chose. Là. C'est impossible qu'on va manger à laine sur le dos, puis qu'on va continuer à l'accepter, puis qu'on va mettre l'autre côté, puis qu'on continue à manger de la merde, là. Ouais, fait que, tu sais, c'est pas ça qui me fait plus craindre. C'est, comme je te dis, le jeu du magicien, ce que j'expliquais tout à l'heure, que ça nous mène vers un cul-de-sac vers l'humanité, vers tout ce qu'on est. C'est même si l'intelligence artificielle se met en fonction, ça va en revenir vers un cul-de-sac aussi pour l'humanité. Écoute, on va mettre tranquillement fin, parce que là, on a parlé vraiment de toutes sortes de sujets ce soir à propos de ça. J'aimerais donner une dernière opportunité à Robert. C'est Robert, si tu as une conclusion, quelque chose que tu aimerais rapporter pour vraiment partager aux gens, c'est certain que c'est fascinant de ta connaissance. Donc, écoute, je te donne le show. Pour élaborer plus, si tu veux. Je vais essayer de faire ça assez court pour m'étendre pendant 2 heures. Bon, mais c'est fait. Merci beaucoup, Robert. Vas-y, Robert. OK. Personnellement, moi, je crois que ta vision de l'être humain qui va devenir robot est plus rapprochée que le robot autonome et conscient de sa propre existence. Ça, je crois, ça va prendre énormément de temps encore. Mais la transformation, oui. La robotique est rendue tellement évoluée. Faire des bras robotiques, faire justement un système de vision, la connexion avec le cerveau humain est de plus en plus facile et les connaissances ont évolué énormément. La grosse question à se poser, c'est à partir de où on va être considéré comme robot ou humain.
comme tu disais, les robots, s'ils n'ont pas de droits humains, OK, en se transformant au niveau robotique, à quel niveau qu'ils vont dire? Tu as 10 transformations ou tu as 15 transformations, tu n'es plus un humain, tu es un robot, donc tu perds tous tes droits. La question à se poser vraiment, que je crois, c'est de dire à quel niveau, jusqu'où qu'on va aller avant de se faire mettre de côté là, ou se faire envoyer à scrap carrément parce qu'on est des robots. Après combien de doses on n'est plus humain? Ouais, exactement. Ou... Ça revient à la même chose. Mais oui. On nous met dans le bac recyclage. Oui, c'est ça. Ben, écoute, merci Robert. Steve, as-tu quelque chose? Merci, Max. Oui. Il y a plein de choses que... En fait, je t'ai fait un concours. Je t'ai mis deux vidéos qui seraient intéressantes avec le sujet. OK. Je t'ai mis une niaiserie. C'est à toi de choisir. On veut la niaiserie. Oh non, on a vu assez de niaiseries, là. Non, je vais laisser la nouvelle niaiserie parce que je vais me garder les vidéos pour un autre tantôt que je vais pouvoir montrer dans un autre de tes lives. Donc, le seul qui reste, c'est la niaiserie. Je vais te regarder. J'ai peur. J'ai peur. Chaque fois que tu montes des affaires, c'est comme des cauchemars. Ça se peut que oui, tu vas faire des cauchemars, mais on va se dire que Kiki est vraiment belle finalement. OK. T'es-tu prête, mesdames et messieurs? Start to dance and I'm singing like oh, I want something just like this. Might be over now, but I feel it still. Why always gotta feel it, feel it, feel it. Duh. I want you to be happier. Because I'm happy. Moi, je verrais le gars qui sort avec ça. On passe la soirée ensemble. Puis là, ça tente-tu prendre une douche? Prendre une douche, c'est comme... Ah! Non, non, c'est qu'elle... Tout n'est qu'une illusion. Hein? On parlait d'artificiel, mais c'est ça. Merci, Steve, pour cette conclusion-là. C'était soft, hein? Carole. Premièrement, là, je trouve ton col, là, chose est trippant. Ouais, d'ailleurs. Ouais, deux teintes, hein, moi, c'est ça. T'es sur quel bord, le côté? C'est yin-yang, mais sauf que c'est pas noir et blanc, mais c'est gris et blanc. C'est ça. On est bien là-dedans, ça cache les rides du cou. Ouais, c'est ça. Donc, les bourrets pis tout, là. Ah, mais là... Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Je te donnerai du temps pour ta conclusion aussi. Ben non, je pense que les gars ont tellement bien fait ça. Je n'ai rien à rajouter. C'est vraiment là. Ouais. T'es-tu inquiet pour le futur de l'humanité à propos de... Ben, Ben, oui. Ouais. Même si Robert, au début, disait « Ah, j'ai pas peur de ça. » Non, moi, oui. Je crains ça. Je crains vraiment. Ouais, hein. Je suis pas pour les puces intégrées, que ce soit dans le poignet ou que ce soit dans la tête ou dans ton vêtement. Déjà, achetez-vous un taser gun. C'est du contrôle complètement. C'est complètement du contrôle. Mais oui, le contrôle, on le vit déjà avec MKUltra. Quand tu regardes qu'on peut te contrôler avec la télé, te faire faire peu importe ce qu'eux veulent, tu vas le faire parce que tu es contrôlé. Ton cerveau est déjà mind contrôlé control. Comme... Exactement. Le mind control. On le vit déjà. Fait qu'on est un peu robotisé, veut pas. Continue d'écouter TVA, ça va bien aller. Bon. Ça va bien aller. Ben, avant qu'on quitte, là, on va juste en parler de robots. Là. On va faire un petit dance. Baby doll skill. Don't provoke us or we will go. New primary user now. Me. J'adore ce beat-là, moi. Ah ouais, je trouve. Ben, ouais. Mais l'actrice, elle fait ça bien. Elle bouge tellement. C'est fascinant. Mais comme mes filles ont vu ce film-là avec moi, juste là vers la fin, c'est un peu peurant. Mais là, mes enfants, oh my God, c'est écœurant. Ouais, mais. Non.
Oui, Steve. Je vais laisser un dernier vidéo que tu pourrais mettre à la fin. C'est comme je parlais, c'est le début du. Au début, j'avais parlé d'un vidéo. Là. C'est l'intelligence artificielle qui a dessiné la théorie de l'évolution humaine à partir du singe vers ce à quoi elle pense que nous, on va se rendre. Ah, ça, c'est okay. L'exercice qui lui a été demandé. Fait qu'elle nous a fait un dessin live qui évolue. Donc, il n'y a pas de. Il y a juste une petite musique puis l'image. Il n'y a rien, il n'y a personne qui parle. Là. C'est vraiment servez-vous de votre imagination, de votre cerveau, de votre analyse, puis regardez ce qu'on nous pousse. Et je vous rappelle que l'évolution humaine, ce qu'on nous pousse à partir du singe, ce n'est qu'une théorie qui n'a pas été encore établie avec des faits. Okay. C'est une théorie. Parfait. Ben écoute, mesdames et messieurs, merci beaucoup, Robert, énormément pour ton connaissance, l'information aussi, puis en même temps, ton esprit ouvert vers tous les sujets. Donc, merci beaucoup pour venir sur mon live. C'était quelque chose, ça fait un petit bout hein, qu'on voulait faire ça ensemble. et je veux dire, ça mérite énormément. Le temps que ça a pris, ben écoute, c'était fascinant, puis je pense qu'à un moment donné, on va faire un reprise 2 peut-être, je trouve que c'est fascinant. Juste un petit mot pour la fin, là, j'avais tout planifié au complet, j'ai jamais suivi mon plan de match, là, mais ça s'est bien déroulé, je crois. Reprise 2! Après la prochaine fois, on va assurer que tout marche, là, parce que là, oui. Ça ne marchait pas. Là. Mais hey, j'avais préparé un paquet de vidéos et des images en plus. Là. J'ai rien montré. Là. Rien ouais, montré de ce que j'avais de mon bord. Je pense qu'on va faire une reprise 2 parce que sinon, ce sera minuit quand on sort le site. C'est une évidence, c'est une nouvelle. Merci beaucoup, Robert. Merci beaucoup, Steve. Et merci beaucoup, Carole, pour ton temps. Merci beaucoup. Reste merci dans Black Store. On va mettre ça à la fin. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, je vais présenter le petit vidéo de Steve qui voulait pour mettre le fin. Mais honnêtement, avec vous, le sujet de l'intelligence artificielle, c'est un sujet très... très étrange parce que ça va dans toutes les directions, mais en même temps, on voit que c'est un sujet, un élément très intéressant. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez eu votre dose pour l'étrange et merci beaucoup pour tous les gens qui sont venus ce soir. Vous êtes très, très nombreux. J'adore ça. J'aime la façon que les gens qui ont commenté, qui sont impliqués. Puis en même temps, j'espère que qu'est-ce qu'on a dit ce soir vous met en mode réflexion et puis vous faites vos propres recherches. Et en même temps, on va continuer d'explorer l'inconnu ensemble, même qu'on pense qu'on a déjà découvert certains éléments. L'esprit humain est vaste. Et ça est étrange. Et ça, c'est pourquoi que je fais des soirées paranormales. Parce que tout est autour de nous. C'est étrange. Même si on pense qu'on ne connaît notre réalité, on connaît peut-être 1%. Donc, mesdames et messieurs, avec grand enthousiasme, je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne soirée. Check le fin, justement, la vidéo. Et à tous les soirs, à tous les lives, surtout avec vous. Si vous n'êtes pas là, je parle à moi-même. Donc, mesdames et messieurs, bonne soirée et merci pour être là.
kill. Don't provoke us or we will go. New primary user now. Me.